Voilà, nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, nous sommes contents dans la présence. Voilà, nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Oui, c'est bien dans la vie de faire des breaks pour pouvoir se reposer, se ressourcer, écouter Jésus. Je le déclare, les fardeaux, les visions, les choses que tu transportes dans tes entrailles. Ce mois de septembre sera un mois de réalisation au nom de Jésus. Un mois d'accomplissement au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Les promesses que Dieu t'a faites se manifestent en septembre. Tu vois de nombreuses choses s'exécuter en septembre. Toi, on a eu encore quel pasteur? On a eu pasteur Alain. On a eu pasteur Darius. Pasteur Darius, il a fait un dernier culte. Donc, peut-être que c'est dans ma vie. Qu'on va faire? Même si on est au paradis, quand on va les voir là-bas, on dit non, faut pas que mes parents. Pourquoi je ne leur ai pas parlé? Ça, c'est une bonne œuvre à pratiquer. L'évangélisation. Gagner les âmes. Si tu aimes ton enfant, il faut faire tout pour qu'il soit sauvé. Si tu aimes ton mari, il faut faire tout pour qu'il aille au ciel. Si tu aimes ta femme, fais qu'elle soit sauvée. Amen. Alléluia. C'est la pratique des bonnes œuvres. Amen. Et puis il y a des bonnes œuvres. Vous savez, ici par exemple, en dehors des campagnes d'évangélisation où on fait des dons de lits, de matelas, de matériel, on a ici à l'église des œuvres d'action. On a le marché de Dorcas. Qui connaît le marché de Dorcas? Voilà. Qu'est-ce que tu donnes au marché de Dorcas? Le principe du marché de Dorcas, c'est que chaque fois que vous partez faire vos courses personnelles, mettez un peu plus pour des frères et des sœurs de l'église qui ne peuvent pas se procurer ces choses-là. C'est une pratique de bonnes œuvres. Alléluia. Quand tu vas acheter tes 3 bouteilles d'huile, prends-en 4. Et tu viens, tu remets une bouteille au marché de Dorcas. Et quand tu as remis, il y a quelqu'un ici qui n'a pas une bouteille d'huile, on va la lui donner. Quand tu achètes ton riz, pèse-en un peu plus. Mets 1 kilo là-dessus. Même 1 kilo, même ça nous plaît. Même 1 kilo, ça peut aider une personne. Mais 1 kilo là-dessus, sur ton riz. Donc, dorénavant, quand tu vas au marché, quand tu fais tes courses, souviens-toi que dimanche, tu as fait le culte avec quelqu'un qui ne savait pas comment il allait manger tout à l'heure. Il était voisin, il ne va pas t'expliquer qu'il a faim, qu'il ne sait pas ce qu'il va manger à midi. Mais tu n'as pas la réponse parce que tu aurais pu acheter 1 kilo en plus. Et tu achètes 1 kilo, tu fais un petit peu plus. Mais le surplus là, c'est quelque chose que tu vends et que dimanche ou en semaine, tu viens et que tu dis, c'est pour le marché de Dorcas. Quand tu as eu un bébé, et que tu lui achètes ses couches, prends 3 couches en plus, et tu viens, tu remets, c'est pour le marché de Dorcas. On donne des couches, on donne tout, tout ce dont une personne peut avoir besoin est disponible, est donné au marché de Dorcas, aux frères et sœurs de l'église qui sont dans les difficultés. C'est comme ça qu'on arrive à pallier à l'indigence dans la maison de Dieu. Et c'est une pratique de bonnes œuvres. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu as fini le mois d'août, on a parlé de la pratique de la bonté. Choisis dorénavant de faire cela en plus. Amen. Amen. En plus de ces activités-là, nous allons encore nous accroître. Il y a des organismes, il y a d'autres organisations. On a nos organisations nous-mêmes. On appelle des orphelins, on prend soin de nombreux orphelins. On a des programmes. Vous savez qu'on a des églises dans les prisons. Il y a Vase d'honneur à la Maca. Il y a Vase d'honneur Maca. Il y a Vase d'honneur d'à peu près, je ne sais plus combien de prisons. On a combien de prisons? On a Maca et puis on a Tiasalé. Il y a les Vases d'honneur là-bas. Si vous partez là-bas, il y a un groupe musical, il y a les protocoles, il y a les portées. Oui. Dimanche comme ça, ils mettent l'écran et puis ils suivent les cultes. Amen. Alléluia. Donc je ne souhaite pas, mais si tu as un parent qui s'en va là-bas, il faut dire quand tu vas là, c'est qui t'a amené là-bas là? Va, tu vas être délivré. L'église t'attend. Vase d'honneur t'attend à la Maca. Si tu as un ami qui va à la Maca, tu dis frère, je te dis toujours de changer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Vas donner à penser à vous. Il y a une église là-bas. Va là-bas. La parole va te faire du bien. Amen. Et certains vont ici innocemment.
mais que Dieu puisse prendre cet endroit-là pour le restaurer, pour le renouveler. Donc, l'Église mène des œuvres et par la grâce de Dieu, nous allons augmenter nos bonnes œuvres. Alléluia. Bientôt, on va avoir quand vous allez partir aux achats, aux tables, on aura des caisses. Vous pouvez mettre des pièces, les monnaies, pour qu'on puisse reverser à des organismes, à des associations, à des enfants qui prennent soin, à des groupes qui prennent soin, des enfants autistes, mal formés, voilà, etc., etc., prendre en charge. En tout cas, il y a beaucoup de bonnes œuvres à faire. Que Dieu nous aide à les réaliser. Seigneur, fais de nous une église qui est dans la pratique chronique, constante, régulière, des bonnes œuvres. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors aujourd'hui, on va commencer notre série qu'on aurait pu encore appeler la bonté, mais la bonté sous un autre angle. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour les chantres. Alléluia. Donc comme vous le savez, notre thème, c'est le thème de l'année, c'est à son image pour dominer. C'est ce que la Bible dit en Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, tu vois. Ce n'est pas simplement sur les animaux que Dieu veut qu'on domine, mais Dieu veut qu'on domine sur toute la terre. Quand on parle de domination, c'est-à-dire qu'il y a quelque part affrontement. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a quelque part une forme de conflit. Donc, pour que l'homme, pour que toi et moi, nous puissions avoir la victoire, nous puissions vaincre, nous puissions dominer sur tout ce que Dieu a mis sur la terre, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qu'il a mis sur la terre qui ne vont pas faire des cadeaux aux humains, pour qu'on puisse les dominer, Dieu a fait en sorte que nous lui ressemblions et que nous soyons à son image. Autrement dit, la nature ne respecte pas l'homme dans sa nature propre. La nature respecte son créateur, c'est-à-dire Dieu. Donc, quand la nature voit que tu ressembles à Dieu, la nature se soumet. Et je l'ai expliqué plusieurs fois. Si aujourd'hui la terre a des tremblements de terre, s'il y a des moustiques qui donnent des maladies étranges, ça veut dire que les moustiques ne nous respectent plus. On ne les domine pas. On ne les domine pas. Pourquoi? Parce que les moustiques trouvent qu'on ne ressemble pas à Dieu. C'est-à-dire qu'ils nous voient comme d'autres animaux de la forêt et ils doivent boire notre sang. C'est un manque de respect de l'image de Dieu. Des microbes qui étaient là dans la nature, des virus comme celui du vide, zéro, Covid, qui étaient cachés dans la nature, qui avaient du respect jusqu'à présent pour l'espèce humaine. Mais il y a 2 ans, il est sorti, on ne sait d'où, et il a tué, c'est-à-dire lui, il a tué des millions d'hommes sur la terre, il les a tués, comme ça, tranquillement. Il est rentré aux États-Unis, ils s'en foutent de leur découverte. Les États-Unis sont un des pays qui a eu le plus de morts au monde du Covid. Ils s'en foutent qu'ils soient pays développés ou pas. Les gens disent, nous, nous sommes développés, il les a tués. Et puis, il est parti se reposer. Et on prie Dieu qu'il ne se réveille pas. Mais, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une autre version qui est sortie. Les gens commencent à paniquer encore. Oui, pour dire que vos découvertes là, vous ne savez pas ce que la terre a. Les virus qui sont dans la terre. Pourquoi Dieu dit, tu dois me ressembler pour les dominer? Tu ne sais pas pourquoi, qui ils sont. Donc, à un moment donné, comme ça, quelque chose apparaît. Et ça tue 30 000 personnes. Et puis, ça vous dit, bon, je vais me reposer, je reviens. Vous savez, les grandes épidémies, les gens savent qu'on ne les a jamais vaincus, les virus là. Ils ne savent pas comment ça disparaît. À un moment, ça apparaît, ça fait ces massacres. Et puis ça nous dit au revoir, à la prochaine. On dit, on ne veut pas. Il dit, c'est quand même de temps en temps, laissez-moi venir. On dit, on ne veut pas. La grippe espagnole a tué, vraiment, elle a décimé une bonne partie de la terre et de l'Europe. Et puis elle a disparu d'elle-même. Il y a des choses étranges sur la terre. Dieu dit, tu dois me ressembler afin que la nature ait du respect pour toi. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Il se trouve que la nature n'est plus au respect, tout simplement parce que nous ressemblons de moins en moins à Dieu. Nous sommes en train de perdre la nature de Dieu. Ressembler à Dieu, c'est quoi? Ressembler à Dieu... Dieu n'est pas un corps physique pour avoir des yeux et des nez comme un nez comme nous. Dieu est un esprit. Et avoir, être l'image et la ressemblance d'un esprit, c'est avoir le caractère de l'esprit. Quel est le caractère de Dieu? Galates 5, 22 nous dit, Dieu est amour. Donc, quand la nature découvre un être qui est amour, comme Dieu,
elle le respecte. Mais si elle découvre quelqu'un qui est plein de haine, elle veut le tuer, elle veut l'agresser. Dieu est joie. Jésus a de la joie. La tristesse fait qu'il y a des choses dans la nature qui arrivent à prendre le dessus sur toi. La pauvreté peut prendre le dessus sur quelqu'un qui est toujours triste. La pauvreté. La galère peut prendre le dessus de quelqu'un qui est toujours triste parce qu'il n'arrive plus à réfléchir correctement. Dieu est patient. L'impatience fait que beaucoup de gens tombent dans des pièges et des choses étranges qui sont là dans la nature. Les gens ratent leur mariage, leur entreprise à cause de l'impatience. Dieu est patient. Dieu nous a créés patients. Mais l'homme est devenu impatient. Et le fait qu'il soit devenu impatient amène, comme Abraham, à rater souvent le mariage. Il dit, au lieu de rester avec sa femme pour attendre la promesse, il est parti créer Ismaël. Tout simplement par impatience. Combien de gens ont lancé des projets, des entreprises, ce n'était pas le temps de Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu le caractère du calme et de la patience de Dieu. Dieu est paix. Dieu a différents caractères. Amen. Alléluia. Et quand on arrive au cinquième caractère qui est cité dans ces différentes références, c'est la bonté. Galates chapitre 5, verset 22, après la bonté qu'on a étudiée, donc le mois qui vient de s'écouler, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, virgule, la bénignité. Alors ce mois de septembre et le mois d'octobre, nous allons parler de ce puissant mot-là qu'est la bénignité. Alléluia. Dis avec moi la bénignité. La bénignité. Amen. Alors, la bénignité, c'est un caractère de Dieu que Dieu, avec lequel Dieu t'a créé aussi. Dieu a créé l'homme à son image, seulement l'homme s'est détourné de l'image de Dieu. C'est un caractère de Dieu qui te permet de voir et de recevoir les bontés de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas comprendre de quoi je parle. Tu vas comprendre que c'est déterminant, la notion de bénignité. Fais-moi la bénignité. La bénignité. Alors au début, lorsque je suis arrivé sur ce mot, j'ai appelé mon épouse. J'ai dit, bon, lui-là, on va le traiter en même temps que la bonté. Parce qu'en regardant la définition du mot, je me suis rendu compte qu'en fait, la bénignité est un synonyme de la bonté. C'est-à-dire, les deux mots sont interchangeables. Certaines fois, là où dans la Bible on a écrit le mot pour bonté, bénignité, les gens écrivent bonté. C'est parce que les deux mots sont collés qu'ils ont mis le fruit de l'esprit, c'est la bonté, la bénignité. Mais pris individuellement, le mot grec qui est utilisé ici, c'est krestotes, qui est traduit par bénignité. Qui dit à moi krestotes. Voilà, il ne faut pas avoir peur du mot. Amen. C'est juste pour le différencier avec le premier. Donc, le mot krestotes, dans les autres phrases de la Bible, quand on utilise ce mot, on le traduit par bonté. Mais comme ici, il est à côté d'un autre mot grec qui veut dire aussi bonté, regardez même la version King James. La version King James dit, le fruit de l'esprit, il dit, vous pouvez donner ça, il dit, is gentleness, goodness. Ceux qui parlent anglais, ce n'est pas pratiquement des synonymes. Ou certains vont dire kindness, goodness. Alléluia. Comment? Amen. Ils vont dire gentillesse, bonté. Mais, donc, pour moi, j'ai voulu combiner. J'ai dit, bon Dieu, comment on fait maintenant un terme en deux mois? Parce que tu as dit la même chose. Je me dis, petit, calme-toi, calme-toi. Je n'ai pas dit la même chose. Je n'ai pas dit la même chose. Les deux mots sont peut-être interchangeables, mais il ne veut pas dire la même chose. Ce que Louis II a traduit par bénignité, là, qui semble être un synonyme, ne l'est pas en fait. C'est une puissante révélation de la parole de Dieu. Je t'assure qu'il va te faire passer de la misère à la prospérité, qu'il va te faire sortir de toutes tes détresses. Le mot que, la vertu qui est ici, là, vraiment, si quelqu'un parmi nous connaît la détresse, d'ailleurs, mon thème du jour, c'est sortir de la détresse. Mon thème d'aujourd'hui, là, c'est la bénédiction, sortir de la détresse. Sortir de la détresse. Quand tu es dans la détresse, Dieu te sort par ce que la Bible appelle la bénignité. Christotes. Un homme, Dieu l'amène de la pauvreté à la richesse, de la solitude à l'abondance, par Christotes.
Alléluia. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Je suis venu te bénir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, quand j'ai posé la question à Dieu, donc note aujourd'hui, je dis, je vais parler de la bénignité. Amen. Mais mon sous-thème, parce que c'est le thème qu'on va aborder tout le mois, le thème principal, c'est la bénignité ou les fondements de ce qu'on appelle, la Bible appelle la foi de Dieu. Mais plus tard, je reviendrai sur la notion de la foi de Dieu. Tu vas comprendre le lien entre les deux. Aujourd'hui, je veux introduire sur la bénignité en te parlant de comment Dieu est déclarant et prophétisant que tu sors d'une détresse. Tous ceux parmi vous qui écoutent ce message en ce moment, qui traversaient un moment déprimant, qui traversaient une période de détresse, le bras puissant de Dieu, les bontés de Dieu viennent vers vous maintenant et vous font sortir de cette détresse-là au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, je reçois. Quelqu'un dit avec moi, je reçois. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors pour comprendre ce thème, l'Esprit du Seigneur m'a dit ceci. Regarde le mot grec qui a été utilisé pour parler de bénignité. Et puis cherche chaque fois où il a été utilisé dans la Bible. Tu vas comprendre ce dont je veux parler. Parce qu'à l'origine, la Bible n'est pas écrite en français. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc les apôtres, en mettant le mot, ils savaient de quoi ils parlaient. Amen. Mais seulement, comme les deux mots sont utilisables de part et d'autre, et Louis II, les Français, les Anglais, et tout le monde en a traduit de manière... Amen. Alléluia. Dans le livre de Romains chapitre 2, il y a le mot bonté en Romains chapitre 2 verset 4. Mais le mot bonté qui est utilisé en Romains chapitre 2 verset 4, ce n'est pas la bonté qu'on a traitée le mois dernier. C'est Christotès. Il a dit ceci. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? La bonté ici, là. Attends, la bonté, là, c'est Christotès. Il dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu, c'est Christotès. Amen. Note bien cela. Romains chapitre 11, verset 30. Le mot n'est pas souvent utilisé, mais quand il est utilisé, voilà c'est comment. Lorsqu'on l'utilise, voici les mots qui se ressortent. Romains 11, 30, 22, il a dit quoi? Considère, Romains 11, 22, considère, on lit ensemble, la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras retranché. Amen. Un passage qu'on va développer plus tard. Donc il est question ici, considère donc la bonté et la sévérité, mais le mot bonté là, dans lequel tu dois marcher et demeurer, c'est le mot Christotès ici. Mais note la façon dont c'est présenté cette notion là. Éphésiens chapitre 2 verset 7, là encore il y a un mot bonté mais c'est Christotès. Il est dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa Christotès envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Je crois que c'est Tite 3, 4, je crois. Mais lorsque la bonté Christotès de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, mais lorsque la bonté de Dieu est notre Sauveur. Amen. Alors, qui a remarqué quelque chose par rapport à ce mot? Quelle est la différence entre bonté, la pratique des bonnes œuvres qu'on a traitées le mois dernier, et puis cette bonté-là? Qui voit la différence déjà? Comment? La bénignité, là. C'est-à-dire, le mot qu'on a traduit ici par bonté, mais dans Galates 5, 22, on l'a traduit par bénignité. C'est le mot Christotès, le mot-là. Il parle de la bonté de Dieu. L'enseignement du mois dernier, ça parle, nous, de notre bonté. C'est-à-dire que nous, la bonté qu'on applique envers les autres. Voilà. Mais celui-là, lui, il ne parle pas de toi. Il ne te dit pas « sois bon ». Non. Il te dit que Dieu a une bonté pour toi. Donc, la bénignité, c'est la capacité de recevoir les bontés. C'est pourquoi il dit en Romains, il dit « ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté. » Christotès, ça dit, Dieu est... Dieu t'envoie sa bonté. Reçois la bonté de Dieu. Amen. Reçois les bontés de Dieu. Amen. Alléluia. J'entends pas bien votre amen. Amen. Vous voyez, j'aime bien la façon dont l'apôtre Paul aborde en Romains 2, 4. Il dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté? La plupart du temps, les hommes n'ont aucune idée. La bonté de Dieu n'a rien à voir. Si toi, avec ta bonté, tu es capable de donner des millions à des gens.
Imagine-toi la puissance. Est-ce qu'il dit Romains 2,4? Il dit, ou bien tu veux t'amuser à mépriser, à sous-estimer les bontés, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Frère, je me dis, toi, les gens demeurent dans la détresse. Les gens continuent de souffrir parce qu'ils ne connaissent pas, ne comprennent pas, ne saisissent pas, ne marchent pas dans mes bontés à moi. Moi, là, je suis bon et je fais du bien. Que Dieu te fasse du bien. Amen. En fait, Dieu te fait du bien tout le temps. Amen. Dieu te fait du bien tout le temps. Alléluia. Alléluia. Les bontés de Dieu. Amen. Je suis en train de te parler de sortir de la détresse. C'est les bontés de Dieu qui te font sortir de la détresse. C'est quoi la détresse? Sois délivré de toutes tes détresses. Sois délivré de toutes tes détresses. Sois guéri de toutes tes détresses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Breda sorubara la kanta labraya kata. Shabrayanda labra yoruba katarianta. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es délivré de tes détresses. C'est la détresse. Lamentation chapitre 2. Chapitre 3. Jérémie dit en Lamentation chapitre 3. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle a abattu au-dedans de moi. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Jérémie passait par des moments de détresse. Et il dit, ce qui va le sauver, ce sont les bontés de Dieu. Frère, je veux ouvrir tes yeux sur la richesse, quelques éléments de la richesse, de la bonté de Dieu. Et ce matin, prophétiser que tu vas la saisir, tu vas marcher avec elle. Et il dit des choses qui sont très importantes. Il dit, la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Je vais te montrer que les bontés de Dieu, tous les matins, bonheur, juste avant le lever du soleil, Dieu envoie sur toi une bonté. Je vais te montrer dans la parole de Dieu qu'un homme réussit à s'en sortir, à sortir de ses maladies. Parce qu'il a reçu la bonté de Dieu. Et que quelqu'un reste à un problème. Parce qu'il n'a pas vu la bonté de Dieu. Parce qu'il n'a pas prise. Dieu fait du bien tous les jours. Tous les matins, il te fait un bien. La bonté de Dieu de la journée s'arrête. Je vais te montrer dans la parole de Dieu. Ça s'arrête vers midi. Si tu ne l'as pas saisi avant midi, ce n'est pas bon. Oui, j'arrive quelque part. Il faut dire à un voisin, ça va quelque part. La bonté de Dieu. Elle arrive tous les matins. Elle résout. C'est-à-dire que chaque jour, là, Dieu envoie une bonté pour décanter quelle que soit ta situation. Tu dois l'attraper. Sinon, vers midi, 13h, on attend la bonté du lendemain. Tu ne vas plus manquer les bontés de Dieu. Amen. Il faut que je profite avant midi. Il est 11h30. Alléluia! Amen. Ceux qui vont venir au troisième culte, là, quand j'ai prophétisé, ça sera sur la bonté de demain matin. Bon, toi, je pense que midi va te trouver ici, donc. Mais tu vas recevoir la bonté de Dieu même. Alléluia! Les bontés de Dieu. Dis avec moi, les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu. Amen. Amen. Dieu renouvelle constamment ses bontés. Dieu renouvelle constamment ses bontés. Alléluia! Et elles font sortir de la détresse. C'est quoi la détresse? C'est quoi la détresse? Aujourd'hui, il dit, c'est sortir de la détresse. C'est quoi la détresse? Le dictionnaire définit la détresse comme étant un moment de grande angoisse, de grande solitude. Un moment où on ne semble pas, où on semble... En fait, simplement, la détresse ressemble à quelqu'un qui se noie. Quand tu rentres dans la détresse, c'est, tu es en train de te noyer. La détresse, c'est quelqu'un qui se noie. Quand quelqu'un se noie... Vous savez, on a une tendance à battre l'eau. Parce qu'en se noyant, on essaye de trouver quelque chose sur lequel on pourra s'agripper pour se maintenir à la surface. Et ces mouvements-là vont vers l'eau pour essayer de trouver quelque chose de solide. Mais l'eau étant liquide, nos gestes sont vains. Et ce sont plutôt des efforts qui nous épuisent, qui nous fatiguent et qui contribuent à notre affaiblissement, à l'affaiblissement de celui qui se noie et à l'enfoncer dans les eaux de la mer. Ou dans les eaux où il est en train de se noyer.
là, ce moment-là, il est en détresse. Il est en détresse. Dieu envoie sa bonté. Je veux parler à une personne qui traverse une détresse. Les détresses sont de tout genre. Il y a des détresses spirituelles ou spirituellement parlant. Tu sens que tu es en train de te noyer dans ta foi, te noyer dans ta vie et ta main est en train de battre par-ci, par-là, essayant de trouver quelque chose sur quoi t'agripper pour sortir victorieux. Mais tu es en train de t'enfoncer. Plus le temps avance, tu es en train de t'enfoncer. Mais les bontés de Dieu. Jérémie dit, quand je pense à la détresse, je me souviens que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce que je veux attraper, c'est sa bonté. Je veux recevoir la bonté de Dieu. Tu seras sauvé de tes problèmes, de tes difficultés. Pas parce que tu es intelligent. Pas par tes propres œuvres. Pas par tes bonnes œuvres. Mais tout simplement par la bonté. Ça dit, c'est regarde et puis il dit, je te fais du bien. La bonté de Dieu te sauve de la détresse. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Reçois les bontés de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Oui, les bontés de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je reçois tes bontés. Seigneur, je reçois tes bontés. Seigneur, je reçois tes bontés. Reçois-les maintenant. Reçois-les maintenant. Reçois-les maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, Proverbe 24, verset 10 dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Vous savez, quand vous traversez dans la détresse, si tu faiblis au jour de la détresse, ta propre force, c'est comme le moyen qui est utilisé pour te mettre encore davantage dans ce stress-là, dans cette dépression. C'est-à-dire, quand tu traverses par un moment de détresse, c'est comme si tes efforts pour appeler au secours se transforment en problème qui vient t'enfoncer davantage. Quand tu traverses une détresse financière, il y en a qui sont dans des détresses financières, chaque force que tu as d'aller faire un emprunt ou de demander de l'aide, ça devient une nouvelle dette qui vient t'enfoncer davantage. Comme je dis, qu'il y a vraiment quelqu'un qui se noie. Chaque effort qu'il fournit le fatigue. Il n'attrape rien. Donc son énergie ne font que davantage lui donner moins de force de rester en surface et davantage de s'épuiser et de finir par mourir. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. La détresse, c'est un moment où tes forces, tes amis, tes relations, tes proches n'arrivent plus à pouvoir t'aider. Tout autour de toi est comme de l'eau. Ce n'est pas saisissable. Ça, c'est la détresse. Voilà, la détresse financière, détresse spirituelle, détresse émotionnelle. Où tu sens que ton âme est en train de s'enfoncer dans la mort. Et tu ne trouves aucun appui pour réellement te sortir de là. Tous les grands hommes de Dieu, tout le monde est passé par la détresse. Et tous ceux qui en sont sortis vainqueurs ont reconnu une chose, les bontés de Dieu. Tous les hommes, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas leur intelligence. Parce que même ton intelligence dans la période de détresse se transforme en détresse. Tes amis dans la période de détresse se transforment en détresse. Il y a une chose qui aide quelqu'un à sortir de la détresse, ça s'appelle les bontés de Dieu. Ce n'est pas ton mari, ce ne sont pas tes enfants, ce ne sont pas tes amis. Ça s'appelle la bonté. Les bontés de Dieu. Quand Jérémie est en train d'exprimer sa détresse, il ne dit pas, je prie qu'un ami apparaisse. Non, il dit non. Ce qui va me faire sortir de là, ce sont ses bontés. Ses bontés. Ce sont des choses, si vous ne les comprenez pas, vous ne les cherchez pas, vous allez vous noyer. Le mal qui est en train de te mettre dans la détresse peut finir par te tuer parce que ça ressemble à de la détresse. Ça ressemble à la détresse quand tu ne trouves plus d'appui pour t'en sortir. Et ça fait un moment, comme tu as beaucoup de force, c'est pourquoi tu as fait 5 ans, tu tiens. Mais sinon, les années avancent et tu es en train de mourir. Spirituellement, émotionnellement, physiquement, tu es en train de t'enfoncer. Il y a une chose dont tu as besoin et que l'Esprit m'a envoyé vers toi pour prophétiser, ce sont ses bontés. Pas tes bontés à toi, mais sa bonté à lui. Sa bonté à lui. Reçois la bonté de ton papa. Reçois ses bontés. Reçois ses bontés. Reçois ses bontés. Alléluia. Et Dieu fait une promesse. Et c'est là qu'il a commencé à attirer mon attention. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toute ses détresses. Je dis, quand un malheureux crie, il dit, quand un malheureux crie, je n'ai pas dit quand un chrétien, non. Je n'ai pas dit quand un croyant, non.
Toute personne qui est dans le malheur, qui crie, je l'entends. Et je la sauve. Je dis, mais pourquoi certains meurent, se suicident? Il dit, parce qu'ils n'ont pas vu mes bontés. Sinon, je les avais sauvés. La bénédiction, c'est le caractère de Dieu, la ressemblance de Dieu, qui te permet de voir ce que Dieu fait pour sortir de ta situation, pour changer ta vie. Psaume 22, verset 12. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Psaume 22, verset 12. Psaume 31, verset 10. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Psaume 31, verset 10. Psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui fait sortir un homme de toutes ses détresses financières, sociales, matérielles, peu importe, là où elle frappe, la détresse? Quand tu cries, et aujourd'hui tu vas crier, Dieu entend ta prière et il te fait sortir par ses bontés. Ses bontés. Alléluia. Reçois les bontés de Dieu. Reçois les bontés de Dieu. Elles sont riches. Elles sont pleines de grâce. Elles sont pleines de faveurs. Regarde quelques passages sur les bontés de Dieu. Regarde David. Enfin, tous les hommes de Dieu qui ont crié après le salut, là, comment Dieu intervient. Psaume 94, je cite plusieurs passages. Psaume 94, verset 18. Quand je dis, mon pied chancelle. Lisons ensemble. Quand je dis, mon pied chancelle. Ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Je déclare, tu es en train de glisser, tu es en train de tomber, tu es en train de chanceler, tu sens que la chose s'écroule. Mais le psalmiste dit, quand je suis en train de m'écrouler, ta bonté, ça veut dire, je ne vais pas compter sur l'eau, je vais m'appuyer sur ta bonté. Pas mes œuvres, pas moi, mes bonnes actions, mais je vais m'appuyer sur ta bonté à toi. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Alléluia. Reçois la bonté de Dieu au nom de Jésus. Psaume 119, verset 76. Que ta bonté soit ma consolation. La bonté de Dieu, Christotès, ça te console. Que la bonté de Dieu relève ton âme. Que la bonté de Dieu sèche tes larmes. Que la bonté de Dieu est ta consolation. Psaume 107, verset 43. Non, avant ça d'abord. Psaume 119, verset 124. Agis envers ton serviteur selon ta bonté. Amen. Et enseigne-moi tes statuts. La bonté de Dieu, enseigne les voies de Dieu. Enseigne les statuts de Dieu. Que la bonté de Dieu t'enseigne. Que la bonté de Dieu vienne dans ta vie. Je te bénis dans le nom de Jésus. Que dans ce mois de septembre, la bonté de Dieu te montre ce que tu dois faire. Te montre les statuts. Je le prophétise dans le nom de Jésus. Nous arrivons dans ce mois où nous parlons de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu va te relever avant la fin de cette année. La bonté de Dieu sèche tes larmes. La bonté de ton papa. Ton papa est bon pour toi. Il envoie vers toi sa bonté pour te relever, pour te consoler, pour te conduire dans la victoire au nom de Jésus. Psaume 109, verset 26. Secours-moi, Éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Que Dieu te sauve de ces problèmes de famille spirituelle, cette attaque des sorciers qui est contre toi. Que Dieu te sauve par sa bonté. Que mon Dieu te sauve par sa bonté. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Psaume 119, verset 149. Écoute ma voix selon ta bonté. Ça dit, faut pas. Là, le psalmiste, ça c'est la détresse. Il dit, il ne faut pas écouter ma voix selon ma foi. Il dit, faut pas, si tu veux regarder ma foi là, tu vas pas me répondre. Il faut écouter ma voix. Faut entendre ma prière. Pas parce que j'ai prié et 50. Non, Dieu, pardon. Écoute ma voix selon ta bonté. C'est-à-dire, prends l'angle de ta bonté pour entendre ma prière. Écoute ma voix. Psaume 119, verset 49. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ta manière de juger.
Parce que quand toi tu juges là, tu as la miséricorde. David dit, je préfère tomber sous la main de Dieu que sous la main des hommes. Alléluia. Psaume 119, verset 88, rends-moi la vie selon ta bonté afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Quand la bonté arrive, elle te donne de marcher dans les voies de Dieu. Le psaume 63, verset 4, dit ceci. Car ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu, c'est mieux que la vie. C'est-à-dire, alléluia. Ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Ésaïe 38, verset 16, nous dit, Ésaïe 38, verset 16, lisons ensemble, il a dit quoi? Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est-à-dire que si la vie devient jouissive, la vie devient intéressante là, c'est parce que Dieu est bon. C'est-à-dire, c'est par tes bontés que la vie devient, la vie prend un goût. C'est par tes bontés. Ça veut dire que sans la bonté de Dieu, si tu ne la reçois pas, quel que soit ce que Dieu va te donner sur la terre, ça ne sera pas intéressant. La vie même, c'est les bontés de Dieu. C'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Alléluia. Il dit, c'est par elle que je respire encore. Si tu es réveillé ce matin, c'est parce que Dieu a été bon pour toi. C'est-à-dire que Dieu s'est réveillé puis il dit, tu vis encore. Juste sa bonté. Juste sa bonté. Il dit, c'est par elle que je respire encore. Il dit, tu me rétablis. Tu me rends la vie. À cause de tes bontés. Il faut entendre ma voix. Il ne faut pas regarder ma foi. Il faut regarder ta bonté. Il faut entendre nos voix. La bonté de Dieu te localise aujourd'hui. Quand l'Esprit m'a donné ce jour, il dit, il faut que tu prophétises mes enfants. Dis que je les aime. Je les aime et puis je leur donne ma bonté. Je leur donne ma bonté. Je leur donne ma bonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je dis à Dieu, mais si tu donnes chaque fois les bontés, pourquoi? Est-ce qu'on n'arrive pas toujours à sortir de la détresse? Il dit, c'est parce que les gens ne voient pas. Ils ne voient pas ma bonté. Que tu la vois au nom de Jésus. Que tu la vois au nom de Jésus. Que tu la perçoives au nom de Jésus. Brenda sota la babrada slari andabra. Raide seriba katari andabra daslo. Roda bra. Rainda bra daslo. Psaume 85, verset 8. Il dit, Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Le jour où quand tu arrives à voir la bonté de Dieu, le salut arrive. Ouais. Jérémie, là comme je n'ai pas cité ça dans les autres cultes, mais Jérémie chapitre 1, il dit ceci. Il dit, Dieu a dit à Jérémie, je ne sais pas, verset 15, Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois, et quand il a dit, pardon, trouve-moi ça. Dieu lui dit, Amen, tu as bien vu. Car je veille sur ma parole, merci. Remonte d'abord, remonte verset 11. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? C'est le même Jérémie qui a fait Lamentations 3:22. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Je vois une branche d'amandier. Et puis il dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. J'arrive là. Alléluia. Il a bien vu. La bonté de Dieu
C'est quelque chose qu'il faut savoir voir. Si tu ne la vois pas, la parole ne s'exécute pas. Il dit à Jérémie, tu as bien vu, ma parole va s'exécuter. Ça veut dire que si tu avais mal vu, la parole allait rester en état de promesse, mais pas en mode exécutif. L'exécution de la prophétie dépend de la façon dont tu vois les événements. Je reprends. Alléluia. Amen. Dieu va te poser une question. Il y a un problème qui est dans ta vie. Il va dire, que vois-tu? Tu peux mal voir. Tu peux bien voir. Heureusement que Jérémie a bien vu. Dieu dit, tu as bien vu. Ma parole va s'accomplir. Il dit, maintenant là, je passe en mode exécution. Dans le nom de Jésus. Il faut que tu vois la bonté de Dieu. Il faut que tu vois la bonté de Dieu. Si Jérémie avait dit, je vois un arbre, on a dit, tu as mal vu. Pourquoi il dit, tu vois, il dit, je vois des, demain, il dit, je vois des feuilles d'amandier. Parce qu'en fait, dans le truc, l'amande, les feuilles d'amandier, c'est l'annonce du printemps, c'est-à-dire que le temps de la victoire est arrivé. Donc, il a vu dans une vision, il a vu un arbre, hein, des feuilles. Et puis, il a dit, je vois un arbre. On a dit, tu as mal vu. Parce que les feuilles d'amandier, là, annoncent que l'hiver est terminé. Et que on rentre dans le printemps. Donc, Dieu dit, voici l'arbre. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Tu vois l'arbre ou tu vois que la feuille là veut dire que je vais faire quelque chose bientôt. Quand il dit, je vois des feuilles d'amandier. Il dit, mon petit, on est sauvé. Tu as bien vu, tu as bien vu, tu as bien vu. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oh, il dit ceci, fais-moi voir tes bontés. La bonté de Dieu arrive. Mais la plupart des temps, on la manque. Si tu ne vois pas sa bonté, la promesse de Dieu est toujours promesse, mais elle ne passe pas en mode exécution. Elle attend que tu vois. Tant que ton regard n'a pas changé, les choses ne s'exécutent pas. Ton angle de vue. Il y a des choses que je vais t'expliquer dans le mois là. Je te dis que ta vie va. Tu sais que ta vie va changer. J'aime le passage où Jésus dit, ça j'ai pas dit aux autres cultes. Oh Dieu, je suis inspiré sur votre culte là. Amen. Alléluia. Est-ce que, il y a un passage qui m'a souvent troublé. Dieu me dit ceci. L'œil, le passage qui dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps serait éclairé. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu était au singulier. Je comprends pourquoi il dit les yeux sont la lampe du corps. Pourquoi il ne dit pas les yeux? Et puis il dit l'œil. Donc, ce sont les yeux qui sont la lampe du corps ou bien c'est l'œil? Il dit l'œil. L'œil. Parce que tu vois que chaque œil a un angle de vue. Les deux yeux là, tu crois que chacun voit une personne. Mais si tu fermes un côté là, tu vas voir un angle. Si tu fermes un, tu vas voir un angle. Il suffit que un voit le bon angle. Que tu sois dans l'éclairage. Tu n'as pas besoin. Vous savez, dans la vie, des événements arrivent. Il y a un angle, il y a un angle de ton, il y a un œil qui voit les problèmes. Il y a un autre. Vous savez, les deux yeux permettent de voir en relief. Quand tu peux voir les deux yeux, leur fonctionnement permet d'évaluer la distance, permet de savoir exactement où est ce que tu vois. Si tu vois avec un œil, quand tu vois avec un œil, si tu vises un papier ou bien un stylo qui est sur ton fauteuil, tu fermes un œil, la probabilité que tu le manques est très élevée. Tu ne le vois pas bien. Tu sais qu'il est là, mais tu ne sais pas comment il arrive. Donc, chaque œil joue un rôle et chacun voit sous un angle. L'œil, pas les yeux, ce n'est pas les deux ensemble. C'est chacun doit voir. Maintenant, tu dois choisir quel est le bon angle de vue par rapport à ton problème. C'est ça qui va t'éclairer. Ce n'est pas les yeux. Les yeux ne sont pas la lampe du corps. C'est un seul œil qui peut sauver ta vie. Que vois-tu? Dans la détresse que tu traverses, dans la détresse que tu traverses là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Dans les problèmes que tu traverses, qu'est-ce que tu vois? Pendant cet enseignement là, on va traiter la vue. C'est-à-dire que la bonté de Dieu, là, elle prend un angle. Il faut que tu vois. Le truc, c'est qu'on rate, on ne voit pas la bonté. C'est-à-dire, et tant qu'on ne la voit pas, elle ne passe pas en exécution. Elle reste dans l'invisible.
richesse est dans les... Il faut que cet angle-là, il faut que tu vois. Un seul œil est suffisant pour voir, pas les deux. Parce qu'il y a un œil qui va voir les problèmes. Il y a un qui va dire, il y a les problèmes, mais... Amen. Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Je vois un mari compliqué, difficile. Mais il y a un œil qui voit un mais. C'est lui-là qui va te montrer le chemin. L'œil, un seul œil, est la lampe. La lampe, quand elle allume, te montre la route. Un seul œil est suffisant pour te montrer la route. L'œil, pas les yeux. Parce qu'en global, tu peux voir qu'il y a un danger. Mais il y a un œil qui voit un angle, qui dit il y a la galère. Mais... Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ce que, là, je te cite pêle-mêle la puissance de la bénédiction. La bénédiction, en fait, c'est la capacité à voir la bonté de Dieu. Les bontés de Dieu. Parce qu'il faut, voir comme Dieu. Si tu n'as pas cette vue-là, donc la bénédiction, ce n'est pas la bonté que toi tu fais. C'est la façon dont tu vois la bonté de Dieu et tu marches avec elle. C'est ça la bénédiction. Or, la bonté, le fruit de l'esprit, c'est la bonté, la bénédiction. La bonté, là, c'est les bonnes œuvres que Dieu a mises en toi, que tu fais sortir, tu pratiques en allant aider tes prochains. Mais Dieu sauve les hommes, quelle que soit leur détresse. Quand un malheureux crie, Dieu l'entend et Dieu envoie sa bonté. Quand la bonté arrive, il faut la voir. Si tu ne l'as pas vue, la parole ne peut pas s'exécuter. Maintenant, là, quand tu vois, tu peux mal voir. Parce que quand elle arrive, elle prend un angle. Elle arrive sous deux angles. Il y a un angle bizarre, mais il y a un angle. Tu sais, Jésus dit une chose dans 1 Timothée 4:4. Ça, ce sont des choses que j'ai développées. Il dit, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a créé est bon. Mm-hmm. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et puis il dit, donne-moi le texte, 1 Timothée 4:4. Il dit maintenant, ça dépend de comment tu le prends. Il dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Tout est bon. Mais, et rien ne doit être rejeté. Laisse le texte. Et rien ne doit être rejeté pourvu que tu le prennes avec action de grâce. C'est-à-dire que la chose peut ne pas être bonne. Sinon, Dieu là, ce qu'il a fait est bon. Mais le bon là va dépendre de comment tu vas prendre. Si tu prends la chose avec action de grâce, effectivement, tu vas te rendre compte que c'est bon. Si Dieu a créé ta femme ou ton mari, c'est que c'est une bonne chose. Pourvu que... Pourvu que ça dépend de la manière dont tu regardes la chose. Il faut changer ton angle de vue. Le travail que Dieu t'a donné est bon. Pourvu que tout ce que... Tout. Alléluia. Tout ce que... Tout. Il n'y a pas une chose que Dieu a créée. C'est-à-dire que si tu peux regarder, tu peux dire, Dieu a créé ça. C'est que c'est bon. Tu dis, mais ça me crée des problèmes. C'est que c'est bon. Mais c'est parce que tu ne vois pas bien. Pourvu que tu le prennes avec tout ce que Dieu a créé est bon. Mais pourvu que... C'est-à-dire que tant que tu n'es pas arrivé au point de prendre cela avec action de grâce, ça peut ne pas être bon. Sinon, à l'origine, c'est bon. Tout dépend de l'angle de vue. L'œil, pas les yeux. Et la lampe du corps. La faveur de Dieu. Reçois les bontés de Dieu. Reçois les bontés de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais t'expliquer un ensemble de principes, de petites choses, qui vont enlever les choses sur tes yeux pour qu'on voit les bontés de Dieu. Ce sont les bontés de Dieu qui enrichissent. Ce sont les bontés de Dieu qui sauvent. Ce sont les bontés de Dieu qui relèvent. Ce sont les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu. Il dit, ou bien, Romains 2, 4, il dit, ou bien méprises-tu les richesses. Les bontés de Dieu sont riches. Laisse-moi te raconter une histoire de la Bible en 2 Rois chapitre 6. Et puis chapitre 7.
La Bible raconte une histoire. C'était un puissant texte. Hier, je l'ai lu pour samedi des miracles. Il dit, le peuple était dans la détresse. Je ne sais plus pendant combien de temps, chaque fois je dois lire, pendant combien de temps, ils ont connu un siège. Donc, le peuple de Samarie, la capitale d'Israël, hein, vous savez, il y a eu deux royaumes à un moment donné. Donc, il y a eu le royaume de Juda avec Jérusalem comme capitale. Et puis, l'autre partie qui avait 10 tribus avec la Samarie comme capitale. Donc, là-bas, ils ont été attaqués par l'Empire syrien. Et les Syriens ont fait un siège. Et généralement, les sièges peuvent durer plusieurs années. Parce qu'on entoure la ville, on ne fait pas la guerre, on est là, on attend. Vous ne pouvez plus aller au champ. À un moment donné, vous allez, et puis on coupe les approvisionnements en eau. Et à un moment donné, le peuple faiblit. La faim, ça les oblige à se rendre ou à mourir de faim. Alors ils ont fait un long siège. Et la détresse est devenue terrible. Au point où un jour, le roi est en train de marcher sur le mur de Samarie. Il y a une femme qui l'a approché. D'accord, vous pouvez donner le texte pendant que je parle. Il y a une femme qui l'a approché. Elle dit au roi, monsieur le roi, faut parler à ma camarade. Elle dit, on souffre trop. Hein? Et comme le roi passait par là, une femme lui cria, sauve-moi au roi, mon Seigneur, sauve-moi. Le roi lui répondit, mais Dieu même là, moi-même là, tout le monde pleure dans la, à Samarie ici. Tu veux que je fasse quoi pour toi? Et quand la femme explique maintenant son problème, elle dit, dans la faim, ma copine et moi, avons décidé, ma copine m'a proposé, il faut qu'on mange nos enfants. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Ça, je ne sais pas c'est quoi. C'est la sorcellerie. Non, c'est-à-dire, elles ont fini la sorcellerie. Parce que c'est la sorcellerie jusqu'à devenir c'est du cannibalisme. Et même pas quelqu'un d'autre, mais ta propre, tes propres entrailles. Et deux femmes se mettent d'accord. C'est-à-dire qu'avant même, elles étaient des mauvaises mêmes. C'est-à-dire, je crois que d'abord, elles étaient sorcières. Elles devaient faire la magie, la sorcellerie. Les deux, là, elles devaient se voir dans les ténèbres pour pratiquer la sorcellerie. Et elles se sont mises d'accord. Comme elles mangeaient les gens en sommeil, elles ont voulu passer au réel parce que leur corps physique avait faim. Elles se sont dit, comment elles se connaissent dans le monde? Une femme ne peut pas venir proposer à sa camarade. Toi là, prépare ton fils, on va le manger. C'est-à-dire que, quelle idée même va te traverser. Donc je crois que c'est d'abord des sorcières qui, en esprit, mangeaient les gens. Ils ont mangé les membres de leur famille. Donc comme ils ont fini avec tous les membres de leur famille, il restait leurs deux enfants. Et non seulement en esprit de sorcellerie, elles avaient faim, mais dans le monde réel, elles avaient faim. Donc elles ont décidé d'appliquer dans la réalité ce qu'elles faisaient en mystique. Elles ont mangé le premier enfant et au deuxième, l'autre des miettes. Et elle est partie se plaindre au roi. Quand le roi a entendu ça, il a déchiré ses habits. Vas-y, tu vas aller faire quoi? Tu sais pas. Tu vas les tuer. C'est-à-dire qu'elle ne veut même pas te poser une question. Oui, là, on a mangé, c'est normal. Maintenant, le roi, il faut lui dire. Quel accord? C'est-à-dire que le roi dit, mais je te dis quoi? C'est-à-dire qu'on a fini de manger son enfant, il faut lui parler. Que c'est à son tour. Elle n'a qu'à amener l'enfant à manger. Moi, je viens te voir pour qu'elle la mette. En fait, elle n'était pas venue pour que le roi la juge de leur méchanceté, mais elle est venue pour que le roi convainc sa camarade. Pour que le roi l'oblige. Femme, ce que tu as dit, tu l'as dit. Si tu avais promis lui donner l'enfant, amenez-le, mangez-le. Voilà. Le roi doit se prononcer dans une affaire macabre. Ça dit que, bon, bref. Quand le roi a entendu ça, il a déchiré ses habits. Il dit, c'est pas possible. Et il dit, bon, lui, il pense que c'est la faute à Dieu. Depuis là, il y a des prophéties qui disent que Dieu va sortir Samarie. On ne sort pas Samarie. Le prophète avait prophétisé. Et il ne voyait pas de solution. Donc il dit, lui, ça va tuer le prophète Élisée. Et ils sont partis le chercher. Et le prophète chez lui a vu le roi arriver de loin. Il dit, ah, le roi vient m'arrêter. Comme le roi vient m'arrêter, et quand le roi est venu, quand le roi est arrivé, en même temps, Élisée, il a crié à Dieu. Et Dieu lui a montré que sa bonté avait déjà agi. Mais le peuple ne voyait pas ce que Dieu avait fait. Hein? Alors Dieu ouvre les yeux du prophète et il voit.
ce que Dieu a fait. Alors il dit, quand le roi arrive, il dit, monsieur le roi, avant 24 heures, alors je paraphrase l'histoire, mais c'est un peu la valeur des coûts. Il dit, si on achetait un poulet, parce que quand il y a une période de famine, les prix sont montés. Celui qui a un poulet va le vendre, je ne sais plus combien. Donc si un morceau de poulet coûtait 100 000 francs, le prophète le regarde et puis il dit, demain à cette heure-ci, on mangera une cuisse de poulet coûtait 100 000 francs. Mais demain, la cuisse de poulet va coûter 200 francs. Le garde du roi qui était là a entendu ça. Et puis il a commencé à sourire. Il a méprisé la solution de Dieu. Et il dit ceci, même si Dieu ouvre le ciel, c'est-à-dire même avant le moment où on était dans l'abondance là, on n'a jamais acheté une cuisse de poulet à 250. Donc, quel genre de miracle va se produire pour que nous, on ait un poulet, la cuisse d'un poulet à 250? Même ça, là, même Dieu ne peut pas faire. Et puis il arrive. Oh, oh, oh. Alors Élisée lui répond, tu verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Qu'est-ce qui s'est passé en une nuit? Je parle de ce qu'on appelle les richesses de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu avait parlé. Mais les gens étaient en train de s'entretuer pendant que la bonté de Dieu avait déjà combattu. La bonté de Dieu était dehors. Là où on pensait qu'il y avait le danger, il y avait la bonté. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le peuple syrien qui les entourait. La nuit, ils ont entendu un bruit d'une grande armée qui venait contre eux. Et eux-mêmes, ils se sont blagués. Ils sont venus, ils disent, qui arrive? Eux-mêmes, ils ont donné un nom. Personne ne les a vus, mais ils ont donné juste les bruits. Ils ont dit, l'armée égyptienne, avec l'armée de tel pays, ils se sont mis ensemble pour venir nous tuer, pour délivrer les Samaritains. Fuyons! Et ils ont fui. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils ont fui sans leurs chevaux. Je ne sais pas, quand tu veux fuir, si tu as un cheval, tu fuis à lui ou tu fuis sans lui. Eux, ils ont laissé les chevaux. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leur tente, leurs chevaux et leur âne. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Mais monte sur le cheval, tu vas fuir. Eux, ils ont fui à pied. Ils ont dit qu'à pied, c'est mieux. Ils ont fui. Et ils ont tout laissé. On vient faire un siège pour des années. Ça veut dire la quantité d'aliments qui était dans le territoire. C'était énorme. Quand il avait quatre lépreux, ils ont eu une pensée. Ça, c'est, tout ça, c'est la bonté de Dieu. Pendant que le peuple était en train de souffrir dans la détresse et qu'ils avaient crié à Dieu, la bonté était en train d'opérer. La bonté a dit aux quatre lépreux, ils ont eu une idée étrange. Et un qui s'est dit, il dit, bon, on a trop faim, on va mourir bientôt. Si on rentre dans notre ville, parce que les lépreux étaient mis à l'extérieur de la ville, si nous rentrons dans la ville, on va mourir avec tout le reste des habitants. Si on reste ici, ça c'est sûr qu'on meurt. Bon, allons chez les Syriens en même temps. Comme on est des Israélites, ils vont sûrement nous tuer. Mais s'ils nous ont tués, de toute façon on est déjà mort. Pour parler en termes ivoiriens, cabri mort. Il n'a pas peur de couteau. On est déjà mort. Donc, mais il se peut que ils aient une compassion et puis ils nous donnent un peu à manger. Donc, allons mourir. Si on a trouvé quelque chose, gloire à Dieu. Et ils sont partis chez les Syriens. Quand ils arrivent, ils voient les chevaux, ils voient qu'il n'y a personne. Ils rentrent dans les maisons, tout le monde a disparu. Ils ne comprennent pas. Il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a à manger. Donc les quatre là, ils ont mangé. Les quatre ont pris les trésors, chacun est parti caché. C'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, chaque lépreux de la galère est devenu... Amen. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente et en emportaient des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ça dit que ils sont sortis de la pauvreté en même temps. Il dit, mon frère, même, là, on a de quoi. Ça dit que toute notre vie est garantie. Mais même là, on ne peut pas tout prendre. Allons dire au roi, eux aussi vont venir se servir. Mais frère, il faut imaginer comment ils se sont servis d'abord. Alors, ils sont allés de tente en tente. Ils ont mangé, ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent, ils ont pris des habits. Ils sont partis cacher, ils ont caché, ils ont caché. Et qu'ils sont partis pour venir à la maison du roi. Bref, le roi a douté. Quand le peuple a su que c'était vrai, ils sont sortis.
et ils ont écrasé le monsieur qui avait douté. Parce que les prix, tellement il y avait à manger, si on ne les écoulait pas, ça allait pourrir. C'est pourquoi les prix sont quittés de 100 000 francs, la cuisse de poulet, à 250 francs. Parce que tout le monde avait des cuisses, frère. Tu vas vendre à qui? Donc, les prix ont baissé, l'offre et la demande, en moins de 24 heures. C'est ce qu'on appelle les richesses de la bonté. C'est-à-dire que quand Dieu envoie sa bonté, elle n'arrive pas, elle ne vient pas te sortir des problèmes. C'est-à-dire que c'est la bonté de Dieu. C'est pourquoi Romains 2, 14, il dit, bien méprisez-vous les richesses. C'est-à-dire quand la bonté arrive, là, elle est massive. C'est-à-dire elle peut te rendre fou. C'est quelque chose de massif. Ce n'est pas des petites aides. C'est brutal, c'est puissant. Il y a quelque chose comme ça qui arrive sur toi. Il y a des personnes ici qui reçoivent en moins de 24 heures un changement de statut, de situation. De la lèpre, tu passes à la prospérité. D'une personne rachetée, tu passes à une personne reconnue. Toi qu'on avait mis dehors comme les quatre lépreux, c'est toi qui viens annoncer la bonne nouvelle à ta famille qui t'avait mis dehors. Et tu arrives avec les mains remplies. Tu arrives avec à cause de la bonté de Dieu. À cause de la bonté de Dieu. La bonté du Seigneur dont plaquait Dieu m'a oué ce matin est de déclarer sur ta vie de la lèpre, du rejet que tu avais connu. Ces hommes-là étaient dans la détresse, à l'extérieur, frappés par la lèpre, rejetés par tout le monde. Mais c'est par eux le salut est rentré, la victoire est entrée. Et quand ils sont rentrés pour avertir, ce n'étaient plus des hommes pauvres, ce n'étaient plus des personnes, c'était des personnes dont la voix était recherchée. Des gens qui ont amené la bonne nouvelle. La faveur de Dieu est sur toi. La bonté de Dieu t'a localisé. La bonté de Dieu te visite. Il en est ainsi. Dans le nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Dis-moi, je reçois les bontés. Oui, les bontés de Dieu sont là. Un jour, le prophète Élisée encore est arrivé. Une armée étrangère est venue l'assaillir pour l'éliminer. Ils étaient très nombreux. Ils se sont réveillés le matin. Son serviteur a vu l'armée étrangère venue le prendre captif. Il dit, maître, on va périr, on a des problèmes. Élisée était calme. Parce qu'il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Et il a fait une prière. La Bible dit, quand on crie, Dieu envoie la bonté. Pour que son serviteur voie la bonté de Dieu. Lorsqu'il a prié, les yeux du serviteur se sont ouverts. Il a vu la montagne pleine de chevaux autour d'Élisée. C'est-à-dire que dans le monde réel, ils étaient deux. Mais dans l'invisible, c'était une armée. Écoute, les Israélites étaient affamés. Mais juste à côté, il y avait l'abondance à un niveau qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est ce qu'on appelle la bonté. La bonté de Dieu est juste à côté de toi. Elle arrive dans ta vie. Elle a la promesse qui te transforme. C'est de ça que parle le psalmiste dans le psaume 119. Il dit, ah, il faut que j'arrive à voir la bonté de Dieu. Parce que lorsqu'elle arrive, la plupart des gens ne la voient pas. Ne la voient pas. La bénignité qu'on m'a traité, il faut que tu arrives à voir ce que Dieu fait pour toi. Il n'y a pas un moment donné où tu as pleuré, où Dieu ne t'a pas envoyé sa réponse. Il dit avec certitude, quand un malheureux crie, Dieu l'entend. Il lui envoie sa bonté. Il le fait sortir de là. Mais il faut que tu arrives à voir la bonté. Il faut que tu la vois. Que tes yeux s'ouvrent afin que tu la vois, afin que tu la perçoives. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir la bonté? On n'arrive pas à avoir la bonté parce qu'elle prend un angle insignifiant. Elle prend un angle étrange. Elle prend un angle, la bonté prend un angle de quelque chose qui est banal. C'est-à-dire que quand la bonté arrive, c'est la bonté s'est manifestée avec quatre lépreux. Quand le peuple avait faim, la bonté de Dieu s'est manifestée avec un enfant qui avait cinq pains. Et puis il y avait des milliers de gens à nourrir. C'était la bonté qui était là. L'enfant avait cinq pains. Comment lui, il a gardé cinq pains pendant que tout le monde n'avait rien? C'était Dieu. Les gens avaient compté les hommes. Ils n'ont pas compté les enfants. Il y avait un enfant. C'est quoi la bénignité? Pourquoi on appelle cette bonté-là, cette vertu, la bénignité? Ça vient du mot bénin. Quand on dit qu'une tumeur est bénigne, c'est ça la bénignité. La tumeur, ça veut dire qu'elle est banale. C'est ça. Elle est banale. Quand on dit ce qu'il a fait là, c'est bénin. C'est ça que sort ce mot bénignité. La bénignité, c'est la considération de ce qui n'est pas considérable. La bonté de Dieu prend une tournure qui ressemble à rien. Mais elle est riche. Elle change ta vie.
ces quatre lépreux, est-ce que tu peux considérer la parole? Quand la bonté de Dieu arrive, elle n'arrive pas avec les fanfares. Elle prend un angle qui ressemble à rien. C'est pour ça qu'elle échappe aux yeux de la plupart des personnes. C'est pourquoi David prédit, fais-moi voir tes bontés. Je veux les voir. Je veux la voir. Elle est toujours là. Quand tu as crié, elle est là. La bonté de Dieu, Jérémie dit, elle se renouvelle tous les matins. En fait, quand tu cries, même Dieu l'augmente. Amen. Mais sinon, chaque matin, elle arrive. Elle arrive le matin. Le matin, Dieu la renouvelle. C'est quoi la bonté de Dieu? La bonté de Dieu est une image, pardon, la manne. Vous savez que la manne que les Israélites ont mangée dans le désert pendant les 40 ans qu'ils ont traversé, la manne qu'ils mangeaient, elle arrivait tous les matins. Dieu l'a fait venir tous les jours sans fatigue. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quelles que soient les œuvres. Souvent, nous, on se dit que Dieu doit être fatigué de ma méchanceté, de mes problèmes. Dieu n'est pas fatigué. Amen. Tu as échoué, il envoie encore. Amen. Tu as mal fait, il envoie encore. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Amen. Mais toi-même, tu n'arrives plus à les prendre. Aujourd'hui, tu vas les prendre. Amen. Parce que c'est par la bonté qu'on jouit de la vie. En ce moment-là, ta vie n'est pas jouissive, elle est triste. Parce qu'il y a des bontés que tu n'arrives pas à prendre. Elles sont là à côté de toi, tu ne les vois pas. Il y a longtemps, il t'a répondu. Les lépreux sont en train de manger là-bas pour toi. Il faut que tu ailles voir ta bonté. C'est vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui crie et puis Dieu le laisse. Sinon, la Bible n'est pas la vérité. Tu sais pourquoi tu as des difficultés à croire? Vous savez, c'est le problème d'Israël. La manne est arrivée. Quand ils ont vu la manne, ils n'ont pas su que c'était une nourriture particulière. Ils l'ont appelée manne. Ça veut dire qu'est-ce que c'est? Manne, qu'est-ce que c'est? La Bible dit qu'ils ont appelé, ça veut dire c'est quoi ça encore? Dieu nous fait quoi là? Pourtant, la manne était la réponse de Dieu. La Bible appelle la manne, psaume 78, verset 24. La Bible appelle la manne le blé du ciel. Hein? Il dit, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna quoi? Le blé du ciel. Ça veut dire au ciel, il y a des plantations. Et là-bas, là, Dieu a planté un blé. Les anges ont coupé ce blé et ils ont fait descendre ça sur la terre. Ce n'était pas quelque chose du naturel. Mais ils ont dit, c'est quoi ce truc-là? La manne, le blé du ciel. Un jour, les Israélites ont dit à Jésus, le même miracle que nos parents ont vu, il faut le faire. Jésus leur a dit, je suis le vrai pain du ciel. Oui, il y a du pain au ciel. C'est-à-dire que la nourriture du ciel, Dieu te l'envoie. Quelque chose qui n'est pas de ce monde, quelque chose qui n'est pas naturel, arrive vers toi. Et je déclare dans le nom de Jésus, dans les moins de 24 heures, tu vas saisir une bonté qui va te faire sortir de la détresse. Et quand tu sors, ça t'amène loin en même temps. Alléluia. Donne-moi encore le psaume 78, verset 24. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Avançons. Ils mangeaient tous le pain des grands. Le blé du ciel, c'est le pain des grands. Si tu vois quelqu'un qui réussit sur la terre, c'est parce qu'il a mangé la bonté. L'apôtre Paul dit, si je suis ce que je suis, à cause de l'abondance des grâces. C'est-à-dire que la bonté, c'est une grâce. C'est une grâce très, très spéciale qui est renouvelée tous les matins. Tous les matins, à l'aurore, la bonté arrive. Dieu envoie la bonté. Quand tu cries, il augmente la dose par rapport à ton besoin. Et il te donne en abondance. La détresse était tellement grande en Samarie que la réponse aussi était immense. Ta détresse est telle que Dieu te sauve avec quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Il faut que tu saisisses. Dieu est réel. Il y a des gens qui réussissent sur la terre, non? C'est parce que même les païens, le truc c'est que les chrétiens pensent que la bonté est pour eux. Or, les bontés de Dieu sont pour tout le monde. Mais les Écritures nous donnent les ingrédients pour l'avoir. Beaucoup de païens la saisissent, c'est ce qu'ils font. Ils disent c'est la nourriture des grands. Donc, toute personne grande que tu vois, c'est parce qu'elle se nourrit de la bonté. Peut-être qu'elle ne mange pas ça tous les jours, mais au moins même deux fois par semaine, ça peut faire la différence. Oh, toi, tu manges ça combien de fois? Il faut manger ça beaucoup. Au nom de Jésus, la manne du ciel, la nourriture des grands,
tu ne manqueras pas. Et c'est ce que Jésus explique. Il dit, quand vous priez, et il a fait la prière du Notre Père. C'est ce qu'il explique. Le pain qu'il dit de demander à Dieu tous les jours. C'est quel pain ça? Il dit, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Ça veut dire que chaque jour a un pain. C'est pas ça? Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Ça veut dire que chaque jour a une nourriture que Dieu te demande de demander. Vous pensez que cette prière-là, c'est pour la nourriture que tu vas manger à midi? Non. Ça parle du pain du ciel. Donne-nous aujourd'hui. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Nous avons la vie par tes bontés. La prière, tu dis, donne-nous le pain du jour, là. C'est la manne. Mais la vraie, pas celle que les parents ont mangée dans le désert. Le Christ, sous la voix de Dieu, il arrive à toi tous les jours pour changer ta vie, changer ta situation. Je vais t'expliquer beaucoup de choses pour qu'on puisse les voir, mais je termine aujourd'hui avec juste un point pour te donner un aperçu de ce qu'on va développer. Est-ce qu'on est ensemble? Qui a soif des bontés de Dieu? Il ne faut pas mépriser la richesse. Dieu est plein de bonté. C'est-à-dire que, et puis ses bontés ne se fatiguent pas. Il n'est pas fatigué. C'est parce que nous-mêmes, on croit qu'il est fatigué. Il dit, elle se renouvelle chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire que Dieu n'a pas fini. C'est-à-dire que Dieu a fait tous les plans. Il n'a pas fait tous les plans. Tous les jours, c'est renouvelé. Le truc, c'est que ta faim augmente parce que tu n'as pas vu. Mais aujourd'hui, tu vois dans le nom de Jésus. Alors, une des raisons pour lesquelles on ne voit pas, et on va terminer avec ça, une des raisons. Je vais t'expliquer, c'est parce que tu es trop intelligent. Non, sérieux. C'est parce que tu es devenu un grand. Tu es devenu un vieux. La manne, la vérité biblique, c'est que les bontés de Dieu se renouvellent depuis toujours. C'est la nourriture que Dieu donne à tous ses enfants, tous les jours, depuis qu'il a créé la terre. Depuis qu'il a créé la terre. Adam et Ève l'avaient. La Bible dit que Dieu les visitait. Dans la version Louis II, c'est écrit, chaque soir, la voix de Dieu parcourait le jardin. Mais en fait, j'ai regardé le mot là, ce n'est pas chaque soir. Bon, c'est une manière de dire, parce que quelquefois, je crois qu'ils ont l'impression que peut-être le matin aussi, c'est une forme de soirée. Et très tôt, voilà. Parce que quelquefois, on dit entre les deux soirs, bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Mais le mot même qui est utilisé, en fait, donne-moi la Darby. Darby lui dit plutôt, Darby dit, donne-moi la Darby. Genèse 3, 8, la Darby. David dit, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. C'est-à-dire quand le jour est frais, c'est le matin. D'ailleurs, même le mot hébreu qui est là, c'est roi qui parle du Saint-Esprit ou bien de l'Esprit. Je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, comment on prononce? C'est notre hébraïque ici. Comment on prononce? Yom. Roi, Yom. Et Yom, là, ça veut dire le jour. Quand Dieu dit, il y a un soir. Il y a un matin, ou bien quand Dieu dit que la lumière soit, mais il y a un soir, il y a un matin. C'est, le mot, c'est Yom. C'est roi Yom. Voici le mot. Et puis, je ne sais pas pourquoi ils ont traduit ça par Dieu les visitait le soir. Mais en fait, c'est le matin. À la brise, à la fraîche, quand le jour était frais, à l'aube. Donc, la voix de Dieu, tous les jours, au matin, parlait dans le jardin. Dieu arrivait puis il envoyait sa voix. Il parlait. La voix de Dieu. Tous les jours. Et Adam et Ève vivaient de ça. La voix. La voix de Dieu, ça veut dire la parole de Dieu. Qui est la parole? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est Jésus-Christ. Quand Dieu arrivait comme ça, Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis le vrai pain. La manne que les parents mangeaient là, c'est moi. Oui. Alléluia. Et regardez ce qui s'est passé. La Bible dit que c'est ce qui se passait tout le temps. Mais quand Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous savez, pour comprendre ce fruit-là, les gens qui disent fruit interdit, il faut comprendre ce qui est écrit. C'est un fruit qui donne de la connaissance, de l'intelligence, de la compréhension de ce qui est mal sur la terre et de ce qui est bien. Donc le fruit n'est pas mauvais. Parce que quand même Dieu va les chasser, Dieu va dire, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. En ce qui concerne le fruit, en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que Dieu lui-même, il a la connaissance du bien et du mal. Mais il voulait éviter à l'homme un problème. C'est une intelligence des choses qui fatigue
La Bible dit que Adam et Ève étaient nus. Et ils n'avaient pas honte d'être nus. Mais quand ils ont mangé cette connaissance, quand ils ont appris certaines choses, quand ils ont compris le bien et le mal, ils ont connu qu'ils étaient nus. Et le texte dit, amen, Adam et Ève, quand la voix de Dieu est arrivée, donne-moi le texte, Genèse 3, 8, c'est eux-mêmes qui se sont cachés. Il dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la manne, la voix qui arrivait tous les matins pour bénir, pour donner. Ils se sont cachés. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus d'une intelligence qui a fait qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est produit? Vous savez, qui est nu et puis il n'a pas honte d'être nu? Les petits-enfants. Pas les enfants, les petits-enfants. Vous voyez les petits-enfants là? Du coup, quand on est en train de les laver, puis ils courent, tout le monde, il y a des invités au salon, l'enfant qui sort et puis il faut qu'on... Et puis, on vient les chercher. Viens te laver, tu te promènes, l'enfant sort, il est nu et puis il n'a pas honte là. Ça, c'est celui qui, l'enfant qui peut sortir, il y a les invités au salon, et puis il court. Il vient se jeter pour dire qu'il ne veut pas se laver là. L'enfant là. Et lui, on appelle un petit enfant. C'est ceux-là. La Bible dit Adam et Ève étaient nus. Et ça ne les gênait pas. Ils avaient un cœur de petit enfant. Alléluia. Lorsqu'ils ont mangé le fruit et qu'ils ont compris que la nudité ne peut pas être exposée, c'est ce jour-là que leurs yeux se sont fermés à la manne. C'est ce jour-là que les bontés, elles sont arrivées, mais ils ne la voyaient pas. Elles arrivaient. Voici notre problème. C'est ce qu'on sait. C'est ce que tu sais qui fait que tu ne vois pas la bonté de Dieu. C'est parce qu'il y a des choses que tu connais. C'est parce que tu as trop grandi. Tu es devenu intelligent. La vie t'a fait comprendre qui est qui sur la terre. Où est le bien? Où est le mal? Ça t'a forgé d'une manière que tu n'arrives plus à voir. Dieu n'a jamais retiré le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'est pas parti au paradis. Le jardin d'Éden demeure sur la terre. On a juste envoyé des chérubins qui ont aveuglé. Donc l'être humain naturel. C'est pourquoi Jésus a dit le royaume de Dieu au milieu de vous. Parce que l'Éden, c'est le royaume de Dieu terrestre. Parce que quand on dit le royaume de Dieu, là, il y a deux parties. Il y a le royaume de Dieu céleste qui est appelé le royaume des cieux. Et puis il y a le royaume de Dieu terrestre. Donc tout ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu terrestre, c'est lui qu'on appelle Éden. Il est là encore. Et tous les jours, Dieu vient le matin. Et puis il envoie sa voix. Mais seulement, la majorité des humains ne les voit pas. Mais ça apporte prospérité, richesse, salut, délivrance, guérison, restauration. Alléluia. Comment tu dois faire pour voir? Il faut que tu te rendes, petit enfant. Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'allez pas prendre les choses du royaume. Reçois-les au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Dis, je reçois mes bontés. Je reçois les bontés de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il dit ceci. Matthieu 18, 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Petit enfant, pas enfant. Marc 10, 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. C'est-à-dire, le royaume de Dieu peut être là, mais tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas entrer. Pas, il dit, il y a une version, il dit, si tu n'es pas converti, converti là, ça te fait aller au ciel. Mais vive le royaume. Il faut avoir, il faut être petit enfant. Tant que tu n'as pas le cas d'un enfant qui s'est dit que comme il se promenait nuit et puis il n'avait pas honte là. C'est parce que tu es grand que tu as un problème. Mais Dieu n'a pas dit. Il n'a pas dit de devenir petit enfant. Il dit, quiconque se rendra humble. L'apôtre Paul dit quelque part, pour ce qui est du jugement, soyez des adultes. Mais pour ce qui est de la malice, soyez des enfants.
C'est-à-dire quoi? En intellect, sois sage, connais le bien et le mal comme Dieu le connaît. Mais dans ton cœur, garde le cœur d'un petit enfant. Les choses que Dieu fait, on ne les voit pas avec les yeux naturels, on les voit avec les yeux du cœur. Mais quand tu as perdu ton cœur de petite fille, de petit enfant, la bonté arrive et tu ne la vois pas. La richesse approche et tu ne la vois pas. Parce que tu n'as plus le cœur d'un petit enfant. Tu as le cœur d'un vieux. Tu as le cœur de ton âge. Tu as le cœur de quelqu'un qui a traversé la vie. Tu as un cœur qui est blessé, meurtri, et tu te protèges parce que tu sais que tu es nu et tu es faible. Mais que Dieu ramène ton cœur et dit, quiconque se rendra humble comme un petit enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. T'es avec moi, Seigneur. Donne-moi le cœur d'un petit enfant. Amen, amen. 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 Alors, juste quelques éléments sur le cœur du petit enfant, et puis on va prier. Tiens-toi debout déjà, on va prier. Alors, pourquoi il dit petit enfant? C'est quoi un cœur de petit enfant? Un petit enfant, vous avez remarqué, il est toujours attiré par ses parents. Quand il se réveille, là, un petit enfant, son bonjour, papa, maman, c'est une attirance. Quand ton premier réflexe n'est pas d'aller vers Dieu, ça veut dire que quand même tu pries le matin, ce n'est pas une nécessité d'un petit enfant. Ton cœur n'est plus un cœur d'enfant. Tu as un cœur d'un gars qui sait que hey, tu es trop intelligent maintenant. Donc la prière là est devenue pour toi un accessoire. Ce n'est pas un petit enfant qui vient se jeter naturellement dans les bras de ses parents à son réveil. Si tu n'arrives plus à prier comme ça, il faut faire cette prière à Dieu. Seigneur, je pense que Jésus n'a pas dit quiconque a perdu le cœur. Il dit non, quiconque se rendra humble. Ça veut dire que toi-même, tu dois prendre la décision de ramener ton cœur à celui du petit enfant. Ton intelligence adulte, tu la gardes, mais ton cœur doit être simple comme un petit enfant. Tu dis, Seigneur, donne-moi ce cœur-là. Tu vois, tu sais, dans la vie spirituelle, tu as tellement évolué. Ça fait des années que tu es chrétien. Il y a des fois, tu te lèves le matin, tu ne pries même pas. Tu dis bonjour Jésus, et puis tu commences à dire, tu vois. Mais ton cœur a vieilli. C'est pour ça que tu ne vois pas les bontés de Dieu. C'est à cause de ça. Mais ton cœur a vieilli. Le jour où ton cœur devient vieux, les bontés se ferment à toi. Il faut juste, quand tu commences à te rendre compte que je me réveille le matin, j'ai l'impression que je peux commencer ma journée sans Dieu. Non, tu dis, mon cœur a commencé à changer. Le fruit du bien, du mal est en train de m'attraper. Dieu, rends-moi le cœur. Donne-moi ce cœur qui a toujours soif de toi. C'est quoi le cœur d'un petit enfant? Vous avez remarqué que les petits enfants ne gardent pas rancune. Il n'y a pas de rancune. Les petits enfants ne gardent pas rancune. Garder rancune ou bien avoir mal trop longtemps, c'est que ton cœur est expérimenté maintenant. Voilà un petit enfant, il fait pas là. Il se tape avec son camarade. Et puis juste après, ils jouent encore ensemble. C'est-à-dire qu'il ne s'attarde pas sur les conflits. Donc, quand tu commences à dire, hey, tu m'as fait ça, ça y est, ton cœur a vieilli. C'est pour ça que tu ne vois pas la bonté de Dieu. C'est-à-dire Dieu te visite tous les jours, mais ton cœur est devenu expérimenté par la vie. Tu as vu que sur la terre, il y a des méchants. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Tu ne laisses pas vite passer. Ça te fait mal une semaine. C'est le cœur d'un vieux. Dis à Dieu, donne-moi le cœur d'un enfant. Il faut que je puisse passer à autre chose. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé. Quand votre vie a pris beaucoup de blessures, rapidement, il connaît le bien et le mal. Et il monte son cœur pour se protéger. La nudité est une faiblesse, mais papa protège. Quand on a des coups dans la vie, on essaie de protéger son cœur. C'est ça, se couvrir. Adam et Ève, ils ont voulu se protéger de leur faiblesse. Et cette conscience-là a fait qu'ils ont perdu la vue de la bonté de Dieu. Un petit enfant n'a pas de considération. Il y a beaucoup de choses par rapport au petit enfant. Un petit enfant est toujours en train d'apprendre. Le cœur d'un enfant, il est toujours papa, maman, pourquoi? Quand tu sais que tu penses que tu sais, la Bible dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Il faut connaître, mais il faut associer à la connaissance le cœur de l'enfant. Si tu n'associes pas les deux, les bontés de Dieu te seront. Tu ne vas pas les voir, elles seront là, mais tu ne les verras pas. Il faut le cœur nul pour voir la bonté.
Il faut ce cœur d'enfant. C'est pourquoi un chrétien, plus vous vieillissez dans la vie chrétienne, plus vous connaissez les Écritures. Si vous ne faites pas attention, moins vous allez voir les bontés de Dieu. Quand le message va venir, puis je vais dire, en 24 heures, ta vie va changer. Toi-même, tu vas écouter, tu vas dire, ça, là, j'ai entendu ça, frère. Hein? Les pasteurs, tous les matins, on profite ça 24 heures, 24 heures. Oh, mon ami, frère, parce qu'on a profité ça 20 fois, tu as vu que ça ne marche pas toujours. Donc, quand ça ne marche pas toujours, Or, au début de ta conversion, là, quand le pasteur vient prêcher, yes, je reçois. Tu vois les bontés de Dieu? Amen. On va prier. Élève la voix. La Bible dit, quand un malheureux crie, Dieu entend. Tu vas crier. Tu vas crier pour dire, Seigneur, sauve-moi de la détresse. Mais tu vas crier pour dire, rends mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est quoi l'esprit bien disposé? C'est l'esprit du petit enfant. Le cœur du petit enfant. Le cœur qui pardonne vite. Le cœur qui a besoin de ses parents. Qui a besoin de son père Dieu. Le cœur qui a toujours soif de lui. Le cœur qui sait que papa va prendre soin de lui. Le cœur qui a confiance aveuglément. Un petit enfant a confiance dans les promesses de ses parents. Seigneur, crée en nous le cœur de l'enfant. Mon Dieu, nous avons été aveuglés par rapport à tes bienfaits. Chaque jour, tu renouvelles tes bontés nous concernant. Mais Seigneur Dieu, notre cœur a grandi, nos cœurs réfléchissent. Nos cœurs ne te voient plus, montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Oh mon Dieu. Montre-moi la voie. Seigneur, change mon cœur. Renouvelle mon âme. Renouvelle mon âme. Oh oh oh. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Oh. Renouvelle mon âme. Oh oh oh. Seigneur, crée en nous le cœur de l'enfant. Mon Dieu, nous avons été aveuglés par rapport à tes bienfaits. Chaque jour, tu renouvelles tes bontés nous concernant. Mais Seigneur Dieu, notre cœur a grandi, nos cœurs réfléchissent. Nos cœurs ne te voient plus, montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Oh mon Dieu. Montre-moi la voie. Seigneur, change mon cœur.
renouvelle mon âme. Oh oh oh. Montre-moi la voix. Révèle-toi à moi. Détresse, mais tu vas crier pour dire tu renouvelles tes bontés nous concernant. Mais Seigneur Dieu, notre cœur a grandi, nos cœurs réfléchissent, nos cœurs ne te voient plus. Montre-moi la voix, révèle-toi à moi, montre-moi la voix. Oh, oh, oh. Montre-moi la voix, révèle-toi à moi. Mon Dieu, montre-moi la voix, Seigneur, change mon cœur, renouvelle mon âme. Oh, oh, oh. Montre-moi la voix, révèle-toi à moi. Montrer ta foi, je ne sais pas comment la prendre. Je crie à toi, mon Père. Oh, oh, montre-moi la voix, révèle-toi à moi, montre-moi la voix. Papa, montre-moi la voix. Donne-moi le cœur d'un petit enfant. Mon Dieu. Oh, oh. Montre-moi la voix. Montre-moi la voix. Révèle-toi à moi. Montre-moi. Révèle-toi à moi, te connaître, je veux te connaître, marcher pour toi, vivre par toi. Merci Seigneur mon Dieu, merci Père. Nous acclamons le roi des rois. La bénignité est ton partage. La capacité à voir ce qui est faible, c'est ça le mot bénignité. La bénignité, c'est le caractère de bénin, c'est-à-dire quelqu'un qui sait voir ce qui paraît insignifiant et qui sait le bonifier. C'est quelqu'un qui voit. C'est Jésus qui a vu que dans cette foule, dans le grand manque, la bonté de Dieu était manifestée dans les mains d'un enfant qui avait 5 pains. La bonté de Dieu. Tes yeux spirituels sont ouverts parce que tu as le cœur du petit enfant. Et cette nuit, tu te visites et tu vois comment il t'a visité. Comment il t'a visité? Ton avenir, ta vie est transformée en moins de 24 heures. D'ici la fin de ce mois, dans cette semaine, tu vas voir d'accélération en accélération la bonté de Dieu qui parle en ta faveur. Au nom de Jésus, amen.
Remplis-nous de ta gloire. Et conduis-nous pas. Conduis-nous pas, Seigneur. Remplis nos vies. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons que tu prennes la place de ce matin. Remplis-nous. Que ta présence remplisse ce lieu, Esprit de Dieu. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là, Père. Prends le contrôle de ce culte, ô Dieu vivant. Alors que nous sommes assemblés pour t'adorer. Alors que nous sommes assemblés pour te rendre notre vivant, notre célébration, nos actions de grâce, Esprit de Dieu. Viens et prends le contrôle, Père. Que la chair se taise ce matin. Et que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de justice, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de force, l'Esprit de capacité, de conseil et de sagesse, prenne toute la place en nous. Oh Dieu, oui, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi ce matin? Est-ce que tu peux élever la voix? Étant conscient que le Saint-Esprit est là ce matin, invoque-le. Invoque-le. Dis-lui, Seigneur Saint-Esprit, je suis là ce matin. Ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans me remplir. Ne passe pas sans me transformer. Seigneur, remplis ce lieu, c'est vrai, mais remplis ma vie de façon particulière, de façon spéciale, ô Dieu vivant. Alors que nous venons d'aborder cette nouvelle année, depuis quelques semaines seulement, Seigneur Saint-Esprit, je ne veux pas avancer sans toi. Je ne veux pas partir sans toi. Je ne veux pas continuer sans toi. Je ne veux pas, ô Dieu de gloire, agir sans toi. C'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Oui, que ma chair se taise et que tu prennes le contrôle. Seigneur, je veux devenir plus spirituel que charnel par ta présence, Papa, par ta présence en moi. Oui, viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu. Et que cette présence en moi, Père, me montre le chemin. Oui, Papa, montre-moi la voie de cette année. Montre-moi le chemin qui me conduira dans le débordement cette année. Montre-moi le chemin, Père, qui permettra que cette année soit différente des précédentes. Le chemin, ô Dieu de gloire, qui me permettra de vivre une année meilleure que toutes celles que j'ai déjà vécues, Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Dis avec moi. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Est-ce que tu peux chanter ce cantique comme une prière ce matin? Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse.
Oui, je veux te connaître, Esprit de Dieu. Je veux connaître ta voix. Je veux connaître le chemin. Je veux connaître ta voix, Seigneur. Élève la voix et commence à prier. Parce que ton Dieu veut se révéler à toi ce matin. Il y a forcément une chose que tu ne sais pas encore, mais qui est nécessaire pour ton année, qu'il va te révéler aujourd'hui. Alors dis-lui, Seigneur, parle à mon cœur. Révèle-toi à moi. Montre-moi. Parle-moi. Dis-moi cette vérité dont j'ai besoin aujourd'hui pour aller plus loin et pour vivre le débordement en 2024. Oui, parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, ô Dieu vivant. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Révèle-toi à moi, Papa, que je reparte d'ici avec une vérité nouvelle, une révélation nouvelle, une capacité nouvelle, une onction nouvelle, une puissance nouvelle au nom de Jésus. Afin que je te connaisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Quelqu'un dit Amen! Tu n'as pas l'air très content de me voir, hein? Bon, en tout cas, si c'est ton sentiment, il n'est pas partagé. Parce que moi, je suis juste trop contente de te voir. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen! Bon, je sais que tu as envie de voir ton pasteur, mais il n'est pas là. Et c'est moi qui suis là. Mais on va passer un excellent dimanche ensemble. Un excellent culte. Amen! Et ça a déjà très bien commencé. Amen! Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine, et lui dire bienvenue dans la présence de Dieu? Alléluia. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans le dimanche de gloire. Alléluia. Bienvenue dans la présence qui va me faire du bien. Et qui va te faire du bien aussi. Amen. Alors, je vous salue dans le nom de Jésus. Je salue tous les bien-aimés, tous ceux qui sont en ligne, toute la communauté Vase d'honneur en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'espère que tout le monde va bien. Ça va? Tout va bien? Tout va bien. Et tout ira encore mieux. Alléluia, parce que le Seigneur est là et forcément, tout ira bien. Amen. Alors ce matin, je vais partager une exhortation avec toi. En vrai, je vais partager avec toi une parole que le Seigneur m'a donnée, un échange que j'ai eu avec Dieu, un dialogue que j'ai eu avec le Seigneur, et j'ai eu à cœur de te le partager. Alléluia! Parce que c'est un échange qui m'a fait beaucoup de bien, et je sais qu'il va te faire beaucoup de bien également. Alléluia! Alors, à la suite de cet échange, le Seigneur m'a emmené à prendre 7 résolutions spirituelles pour vivre le débordement en 2024. Jean, tu n'es pas intéressé quoi? Tu n'es pas intéressé par le débordement. Je sais que tu es déjà trop béni. C'est pour ça que Dieu va prendre toutes tes bénédictions pour me donner.
Alléluia. Dis avec moi, mets cette résolution pour vivre le débordement en 2024. Vous m'inquiétez, hein? Dieu doit-il chercher un autre peuple pour le débordement? Non? Ou bien? Dis avec moi, mets cette résolution pour vivre le débordement en 2024. Bien-aimé, Dieu a annoncé le débordement dans nos vies pour 2024. Et ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que la Bible dit que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et quand il annonce une chose, il accomplit toujours. Et dans cette maison, par la grâce de Dieu, nous avons déjà vu Dieu exaucer nos prières, mais mieux, réaliser ses promesses. Amen. Alors le débordement qui a été annoncé, c'est la volonté de Dieu pour toi. C'est la volonté de Dieu pour moi en cette année 2024. Qu'est-ce que c'est que le débordement? Le débordement, c'est le fait d'avoir au-delà de la normale, au-delà du niveau rempli. C'est-à-dire, c'est tellement rempli que ça déborde. Amen. Ça veut dire que dans tous les domaines où tu t'attends à Dieu, Dieu va tellement te visiter que ça sera trop pour toi. Ça va déborder, voyez. Mais le débordement de Dieu, ce n'est pas un débordement qui se perd. Ce n'est pas un débordement qui se jette. Parce que quand Dieu fait déborder ta coupe, il s'attend à ce que le débordement fasse de toi une source de bénédiction. Amen. Donc, tu vas déborder pour qu'une autre personne soit béni. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis avec moi, je suis béni pour bénir. Oui, tu es béni pour bénir. Et les témoignages seront en cascade. Amen. Alléluia. Alors, on va progresser dans notre message. Et avant de progresser, on va prier ensemble. Tu vas prier que le Seigneur mette, n'est-ce pas, le bon mot dans ma bouche pour toi. Parce que moi, j'ai déjà parlé avec Dieu. J'ai déjà pris mes 7 résolutions. Mais toi, tu dois recevoir, non pas ce que moi j'ai reçu, mais ce que Dieu veut te communiquer, n'est-ce pas? Alors élève la voix avec moi et puis prie, dis Seigneur Jésus, utilise ta servante pour parler à mon cœur, pour me communiquer ta volonté ce matin. Touche-moi par ta parole, visite-moi, ô Dieu vivant, et que réellement, véritablement, à la fin de cette session, je puisse saisir mes 7 résolutions et m'y attacher pour vivre le débordement. Merci, Papa. Père, je veux me remettre entre tes mains. Merci de m'utiliser, ô Dieu vivant, pour communiquer cette parole à tes serviteurs, Père. À tes serviteurs, Papa, afin que chacun puisse recevoir la part que tu as prévue pour lui dans le nom de Jésus. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Sois béni, Père. Amen. Amen. Mais cette résolution spirituelle pour vivre le débordement en 2024. Vous savez, en vrai, chaque nouvelle année, chacun, en tout cas, les personnes qui ont envie d'avancer, prennent. Chacun prend et tout le monde prend des résolutions. Je sais qu'ici, la plupart d'entre nous, on a pris des résolutions. Oui, je dois me lever plus tôt. Oui, je dois travailler plus. Oui, je dois manger moins. Oui, je dois faire du sport, etc. En tout cas, chacun a fait son bilan et quelque part, même si on n'a pas trop pris, on a pris au moins une résolution. Mais vous savez, en général, les résolutions qu'on prend ne sont pas forcément dans le domaine spirituel. Quoique oui, peut-être que quelqu'un a décidé de prier plus longtemps, que Dieu te bénisse. Quelqu'un a décidé d'être plus présent dans la maison de Dieu, que Dieu te bénisse. En tout cas, ce matin, je ne vais pas rentrer sur nos résolutions matérielles, sur nos résolutions charnelles ou humaines, mais je vais partager avec vous cette résolution à prendre pour vivre le débordement. Et ces résolutions-là, ce sont des résolutions spirituelles. Elles concernent ta vie spirituelle. Mais nous savons tous que les véritables choses sont d'abord spirituelles avant de se manifester physiquement. Cela signifie que si c'est cette résolution, tu les as vraiment validées,
tu vas voir que dans ta vie physique, dans ta vie visible, elles vont se manifester par le débordement visible et palpable. Alléluia. Donc j'étais en train de te dire, faut pas avoir peur. Le débordement dont je parle ne sera pas seulement spirituel. Il va se manifester aussi matériellement. Amen. Alors donc je vais demander aux chants de rester en place. On est ensemble. On est dans le pitch and pray. Oh non, c'est quoi? Preach and pray. Teach and pray. Ah, merci. Merci. Ok, alors on va ouvrir nos Bibles et lire rapidement un texte. Un texte qui est dans Josué, je crois. Pourquoi je ne l'ai pas noté celui-là? Bon, là c'est chaud. J'ai oublié mon premier texte, je ne l'ai pas noté. Bon, je le lis et puis là, comme vous me dites, c'est quoi la référence? Parce que j'ai noté l'idée, mais je n'ai pas noté le verset. Il est dit, c'est le Seigneur qui parle à Israël. Il dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Dieu annonce à Israël qu'il va l'emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Là où ça coule, c'est là où il y a le débordement. Nous connaissons tous cette promesse du Seigneur, n'est-ce pas? Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il les a fait sortir avec une promesse. Quand Dieu te fait entrer en 2024, il te fait entrer en 2024 avec une promesse. Et à la suite de cette promesse, donc, Israël a quitté l'Égypte. Mais est-ce que Israël est arrivé en Canaan? Question. Alors, en Josué 5 et 6, Josué 5, le verset 6, il est dit, « Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte. Pourquoi? Ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. » Alléluia. Alors, on comprend donc, et ce n'est pas nouveau, nous le savons tous, qu'une promesse peut s'accomplir ou ne pas s'accomplir. Alors, elle s'accomplit pourquoi? Elle s'accomplit parce qu'on se met dans les dispositions pour la voir s'accomplir. On se met dans les dispositions pour voir l'accomplissement de la promesse. Dieu a dit, mais cela deviendra-t-il réalité dans ta vie? C'est la grande question. En tout cas, pour la génération qui est sortie de l'Égypte sous la conduite de Moïse, la plupart ne sont pas entrés dans la promesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les bonnes habitudes, ils n'avaient pas les bonnes attitudes, ils n'avaient pas la bonne mentalité, ils ne posaient pas les bonnes actions. Cela signifie qu'il y a une responsabilité de chacun face à la promesse du Seigneur. Dieu a dit, il est capable de le faire, il est prêt à le faire, mais quelle est ta position? Quelles sont tes actions au quotidien? On parle de l'année 2024 qui va être une année de débordement. Cela signifie 365 jours. On a déjà gaspillé un peu, bon, pas gaspillé, on a déjà consommé un peu, mais en tout cas, il en reste encore beaucoup. Mais ces 360 et quelques jours d'attitude, de comportement, d'action qui posés au quotidien vont nous conduire vers la manifestation pleine de la promesse ou nous éloigner de cette promesse-là. Israël est resté 40 ans à tourner en rond, non loin de la promesse. La promesse n'était pas loin. Canaan, où coule le lait et le miel, n'était pas loin, je vous assure. Mais ils ont tourné dans le désert. Ils ont tourné dans le désert. J'ai eu le privilège de visiter le désert du Sinaï. J'ai eu le privilège de visiter le désert. Et je vous assure que la partie qui était Canaan, que Israël a conquis, n'est pas loin. C'est une affaire de minutes. En quelques minutes, à vélo, tu rentres à Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Israël? Quelqu'un a dit, hey, Jésus, ta promesse n'est pas loin de toi. Elle est là. Parce que quand Dieu dit, la chose est déjà là. Dieu ne promet pas quelque chose qui n'est pas encore fabriqué. Dieu ne promet pas quelque chose qui n'existe pas en lui. Ce que Dieu promet existe déjà. Ce que Dieu promet est déjà disponible.
Dis à ton voisin, Dieu ne prend pas crédit. Dieu ne prend pas crédit. Tu vois, c'est nous qui prenons des habits. On n'a pas encore son argent, mais on a pris. Voilà, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu te promet, la provision est disponible. Alors, Israël n'était pas loin, ou Canaan à l'époque n'était pas loin, mais le peuple a tourné 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas eu les bonnes attitudes. Alors, qu'est-ce que Job nous dit? En Job 22, le verset 28 que nous connaissons tous, il est dit, à tes résolutions répondra le succès. Alors, touche ton voisin. Dis-lui, en fait, le débordement là, ça dépend de toi. Dis-lui, ton débordement dépend de toi. Tu peux en profiter pour lui dire, Dieu merci, pour moi là, ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Dieu merci, pour moi, ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Alors, il ne faut pas aborder cette année 2024 comme ça. Au petit bonheur, la chance. En avançant pour que chaque jour te présente sa surprise. Non. La Bible te dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai compris que je devais me mettre devant le Seigneur. Quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a dit, tu vas prendre des résolutions pour 2024 si tu veux voir le véritable débordement de tes yeux. Et l'Esprit m'a conduit dans cette résolution que j'ai dit, je vais partager avec toi. À l'origine, ce sont mes résolutions, mais je sais, parce que Dieu me l'a dit, que ce sont aussi tes résolutions. Ce sont des résolutions que ensemble nous devons prendre et avancer ensemble vers la manifestation du débordement qui n'est pas seulement un slogan, mais qui va se manifester de façon palpable dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis avec moi résolution 1 ou 1. Résolution 1. Je vais aimer Dieu plus que tout et le célébrer de tout mon cœur. Voici ma première résolution. Je vais aimer Dieu plus que tout et le célébrer de tout mon cœur. Bien-aimé, on n'a pas dit que tu n'aimes pas Dieu. On n'a pas dit que tu ne l'as pas célébré en 2023. Mais la résolution de cette année, c'est que moi, j'ai décidé d'aimer Dieu davantage. De l'aimer plus que jamais. De l'aimer plus qu'en 2023. Pourquoi? Parce que de mon amour pour Dieu dépend mon débordement. Alléluia. Il est dit en Matthieu 6, le verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, chaque fois qu'on lit ce texte de Matthieu 6, on a l'impression que c'est pour le second voisin, l'autre là, pas celui qui est juste à côté de nous. Voyez? Parce qu'on imagine toujours que nous, on n'aime pas maman. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plus de maman dans nos vies qu'on ne l'imagine? Oui, il y a plus de maman dans nos vies. Faites un test, vous allez voir. Combien de temps vous consacrez au Seigneur? Et combien de temps vous consacrez à Facebook? Rien que ça. Alléluia. Vous savez, moi, le Seigneur m'a dit... Est-ce qu'il y a maman dans ta vie? J'ai dit, non, Seigneur, toi-même, tu me connais. Comment moi, je peux aimer maman? On marche ensemble depuis si longtemps. Alléluia. Alors, il m'a dit, bon, ok, on fait un test. Ton dernier maquillage a pris combien de temps? Là, j'ai baissé la tête. J'ai dit, Seigneur, c'est-à-dire que... Il m'a dit, bon, ta dernière prière a pris combien de temps? Je ne voulais pas répondre parce que vous savez, Dieu, il sait nous attraper au carrefour. Je ne sais pas pourquoi il a attendu le jour où j'étais un peu pressée dans la prière pour m'emmener cette question. Vous voyez? Sinon, habituellement, moi, je prie bien. Je prie bien et longtemps. Mais Dieu a attendu un jour où je me suis dit, bon, évacuons vite la prière parce que y a quelque chose à faire. Vous voyez? Donc, sans m'en rendre compte, de parce que, de choses à faire à choses à faire, ma vie de prière a commencé à fondre comme peau de chagrin.
Ça, sinon avant je prie beaucoup, hein. Qui est dans ma situation? Alléluia. Donc vous voyez, maman est subtile. Maman, il n'a pas besoin que tu lui fasses des déclarations d'amour. Il s'invite dans ton amour. Qu'est-ce que tu as commencé à aimer plus que Dieu? Depuis quelques mois, depuis quelques années. Vous savez, maman, il n'a pas besoin que tu lui fasses des déclarations de Saint-Valentin. Il a juste besoin que de façon pratique, tu lui consacres un peu plus de temps qu'à tes temps de prière. Tu lui consacres un peu plus de temps que le temps que tu prends pour lire la parole de Dieu. Que tu lui consacres un peu plus de temps que le temps que tu prends pour être à l'église. Ça lui suffit. Tu vois, les déclarations là, ça c'est pour les femmes. Maman n'a pas besoin de ça. Lui, il a besoin du concret. Voyez. Dieu, il a besoin que tu le lui dises, mais il a aussi besoin du concret. On dit maman, c'est le Dieu de l'argent. Mais maman, c'est tout Dieu. C'est tout type de choses, tout type d'idoles, tout type d'activité qui prend plus de place désormais dans nos vies, dans nos cœurs que Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette résolution ce matin? Aimer Dieu plus que tout. Matthieu 6 nous dit clairement, tu ne peux pas aimer deux choses en même temps, de la même intensité. Voyez, les polygames là, en vrai c'est des menteurs. Hein? Voyez non? Quand ils voient la deuxième femme, ils veulent leur expliquer à la première fois que non, t'inquiète pas. Même amour, même prière pour vous deux, même argent pour vous deux, même nombre de jours pour vous deux. Mais toi-même à qui il dit ça là, tu sais que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'on peut aimer deux personnes de la même intensité? Je ne sais pas pour toi, mais Dieu lui dit que ce n'est pas possible. Il dit tu ne peux pas aimer toute autre chose en même temps que lui de la même intensité. Forcément, un doit descendre. Qui va descendre dans ta vie? Qui va descendre dans ta vie? Dis avec moi, en 2024. Je vais aimer Dieu plus que jamais, plus que jamais, et je vais le célébrer de tout mon cœur. C'est récitation ou bien c'est la vérité? Si tu vas aimer Dieu, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Alors pourquoi est-ce qu'il faut aimer Dieu? Parce que depuis Deutéronome, Dieu a demandé l'exclusivité. Dieu veut l'exclusivité dans ton cœur. Et il dit clairement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et de toute ta force. Est-ce que c'est un amour gratuit? Bien-aimé, il n'y a aucun amour qui est gratuit. L'amour appelle l'amour. L'attention appelle l'attention. Si tu aimes Dieu, Dieu aussi va t'aimer. Tu vois, si tu fais part-time, Dieu aussi va faire part-time. Mais si tu aimes Dieu, tu le sentiras, tu le verras. Et il va fondre chaque fois que tu seras dans la place. Je ne sais pas si vous avez, vous, en tout cas certains parents, en tout cas moi, j'ai expérimenté ça, même en tant que parent. On prétend aimer tous nos enfants de la même façon. Mais si tu es un parent honnête, tu vas te rendre compte que l'enfant qui te témoigne le plus d'attention, le plus d'amour, tu as un élan plus à son égard. Alléluia. C'est pour ça que Dieu demande que tu l'aimes en 2024. Parce qu'il veut se déverser dans ta vie. Et il a besoin que ton amour l'appelle. Amen. Et on retrouve cette vérité dans le psaume 91, le verset 14 qui dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ah, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Bien-aimé, va dire à Dieu qui fait combine. Va. C'est ton problème. Moi, je dis, Dieu, tu ne fais pas combine. Hein? Tu dis « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Donc, les gens qui n'aiment pas Dieu là, si Dieu ne les a pas délivrés, ce n'est pas grave. Vous voyez, non? C'est nous, on va rester là pavader. Oui, s'il est le Dieu de justice, pourquoi il ne fait pas ci? Pourquoi il ne fait pas ça? Tu vas le trouver là-bas. Et puis, il va te montrer qu'il est le Dieu de justice. Mais il dit, ceux qui l'aiment là, il les délivre.
Alléluia. Si quelqu'un aime Dieu, Dieu court pour le délivrer. Qui n'a pas besoin de délivrance en 2024? Qui n'a pas besoin de délivrance de ses ennemis? Qui n'a pas besoin de délivrance du diable? Moi, j'ai besoin de délivrance. Alors, je vais l'aimer plus que tout. Il dit, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Et Darby dit, parce qu'il a mis son affection sur moi. Ça dit l'affection, ton affection, tu as mis ça sur qui? Sur ton enfant, sur ton mari, qui a le plus? Mais Dieu dit, il y a une personne qui a mis son affection sur lui. Et pour cette raison, il dit, je le mettrai en haute retraite, je le délivrerai. Alléluia. Dis avec moi, plus que jamais auparavant, je vais aimer Dieu et je vais le louer de tout mon cœur. Pourquoi je vais louer Dieu de tout mon cœur? Parce que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Quelqu'un peut répéter la résolution 1? Si tu as pris la résolution 1, lève la main. Moi, je prends. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur, plus que jamais auparavant. Bien-aimé, ce ne sont pas des slogans. Parce que Dieu, il va voir dans le secret. Mais c'est une résolution que nous devons prendre. Résolution 2. Dis avec moi, résolution 2. Résolution 2. Je vais rester à Bethel. Dis avec moi, je vais rester à Bethel. Dis à ton voisin, on est à la deuxième résolution. Dans Genèse 28, on nous raconte l'histoire de Jacob. Il est dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. On connaît toute cette histoire. Quand Jacob était en train de fuir son frère après avoir trompé son père pour prendre l'héritage. Il est dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Waouh! Waouh! Les anges montent, ils descendent. Et puis au-dessus, l'Éternel lui-même, il est là. Il est dit, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu te tiens est... Il dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. On descend au verset 16, il est dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet et lui donna à ce lieu le nom de Bethel. Alléluia. Quelle belle histoire. Jacob venait de faire quelque chose de bizarre. Mais dans sa fuite, Dieu se révèle à lui. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé dans un endroit où Dieu se tenait. Dans un endroit qui était la maison de Dieu. Dans un endroit qui était le lieu où Dieu habite. Le lieu où on trouve Dieu. Le Dieu où Dieu est et nulle part ailleurs. Jacob est arrivé dans ce lieu. Et il a eu la révélation. Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a montré sa puissance. Dieu lui a montré sa vérité. Dieu s'est révélé à lui tout simplement. Jacob a reconnu que Dieu était dans ce lieu. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Qui peut répondre? Interrogation écrite. Quand il a fini de dresser le monument, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué sa route. Merci Binta. Jacob a quitté Bethel. Quelqu'un pourrait dire, comment? On peut faire ça? Tu as vu Dieu en un endroit. Il t'a parlé, il s'est révélé à toi. Mais toi, tu es tellement fort que tu t'en vas.
Alléluia. Et vous savez que tellement de fois, nous quittons Bethel. Pourquoi? Parce qu'on a des buts à poursuivre. On a nos propres combats qui ne sont pas ceux de Bethel. On a nos propres instruments qui ne sont pas ceux de Bethel. En fait, on est juste trop intelligent. Dieu n'a qu'à attendre un peu. Voilà. S'il veut qu'on prie, on va venir prier. Il veut qu'on chante, on va venir chanter. Mais ce qui est sûr, Bethel n'a qu'à m'attendre. Il a érigé un monument. Combien de fois on n'a pas des monuments dans nos vies? Ta vie chrétienne, c'est une réalité ou c'est un monument? Ta Bible, tu la lis tous les jours, c'est un monument dans ta bibliothèque. Ta vie de prière, c'est une réalité has-been. Tout ce qui est has-been est monument. Ou bien c'est ta réalité quotidienne. Beaucoup de personnes ont des vies chrétiennes monument. Oui, pasteur a parlé d'onction d'huile. On court, on vient. Mets l'huile sur ma tête. Dis à ton voisin, et après? Et après, Jacob a mis de l'huile sur la pierre à Bethel. Mais ça ne l'a pas empêché de partir. Il est parti. Mais la suite aussi, on connaît. Le débordement a pris 14 ans pour arriver dans sa vie. Quelqu'un a dit, Jacob a pris 14 ans pour avoir sa femme. 7 plus 7. Pour avoir sa femme. Isaac, il se baladait dans les champs. Et puis sa femme est descendue de l'ânesse. C'est moi, bonjour. Ça fait combien de temps tu pries pour la sœur? Ça fait combien de temps tu pries pour le frère? Ça dépend d'où tu es. Parce que Isaac, il n'est pas allé loin. Il n'a pas fait une année. Son papa a géré parce qu'il était dans la présence. Toi, c'est toi qui as les stratégies. Stratégie 1, stratégie 2. Bon, c'est vrai. Hein? J'ai un livre qui sort bientôt, il y a les stratégies dedans. Pardon, faut suivre. Mais le mieux, c'est de rester à Bethel. Vous savez, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que la vie de Jacob aurait été s'il était resté à Bethel? Trop de problèmes entre Rachel et Léa, entre un oncle escroc et ses filles escrotes aussi. Toi, Rachel, quand on ne t'a pas pris pour aller dans la chambre conjugale, tu ne pouvais pas courir pour aller dire à Joseph et à Jacob, si toi-même tu n'es pas escroc. Ou bien, est-ce que vous avez lu quelque part qu'on l'a attaché? Jacob a quitté Bethel, il s'est retrouvé dans un environnement d'escroc. Papa, maman, enfant, tout le monde. Qu'est-ce qui te garantit la sécurité quand tu quittes Bethel? Le débordement se trouve à Bethel. Dans la présence de Dieu. Dans une vie de prière régulière. Dans un contact avec Dieu. Quand Dieu t'a dit il est ici, pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas là-bas? Parce que qui t'a conseillé? Parce que sa maman lui a dit, va chez mon oncle. Mais entre la voix de Dieu et la voix de ta meilleure amie, qu'est-ce qui est mieux? Entre la voix de Dieu et la voix de ton patron, qu'est-ce qui est mieux? Entre la voix de Dieu et la voix de quelqu'un même que tu as rencontré avant-hier et puis tu as commencé à le suivre, qu'est-ce qui est mieux? Dis avec moi, en 2024. Je vais rester à Bethel. Alléluia. Tu es arrivé dans une maison spirituelle. On ne t'a pas escroqué. Mais c'est ça là qui te fait mal. Pourquoi pasteur Mohamed ne te reçoit pas tous les jours pour dire, hey, pardon, donne tes 1 million là. J'ai vu ça. Des gens, ils ne viennent plus à l'église. Tu vas leur demander, oh, il est trop politiquement correct. Ah bon? Va chez les escrocs. Va chez ceux qui vont finir ton argent. Vous savez, les hommes aiment qu'on les blague. Parce que Dieu n'a pas caressé sa tête pour lui dire, oh Jacob, tu es trop mignon. Mais Dieu n'a pas le temps pour ça. Il te dit, je suis là pour toi. Ça ne te suffit pas.
Tu veux te laver dans huile. Tu veux qu'on verse, on te saupoudre de sel, comme si tu étais un aliment à manger. Mais qu'est-ce que c'est? Alléluia! Dis, touche ta poitrine. Regarde ton voisin. Dis-lui en 2024, je vais rester à Bethel. Alléluia! Je te laisse imaginer. Je t'assure que si Jacob était resté à Bethel, son histoire aurait été différente. C'est parce que Dieu avait promis. Donc, on a fini par y arriver. Mais là, tu peux éviter ça. Tu peux éviter ça. Alléluia. Dis avec moi en 2024. Je vais rester à Bethel. Pour mon débordement. Alléluia. Alors, il est dit en Genèse 22, 14, Abraham, quand il est arrivé à la montagne et que Dieu avait pourvu, il est dit en Genèse 22, 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi il est dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ta bénédiction est dans sa présence. Nulle part ailleurs. Tu vois, même le monsieur qui te blague là, il te blague. Ses problèmes, ses bords de problèmes. À l'église là, des fois les gens ne paraissent pas hier et haut, mais c'est là qu'il sera pourvu. C'est là que la gloire de Dieu va se manifester. Tu n'as pas vu que tu as déjà perdu trop de temps? Dans des voies tortueuses, dans des chemins détournés, dans des conseils bizarres. Reviens à Bethel. Reviens à Bethel. Et si vous continuez l'histoire de Jacob, après son long périple, toutes ses difficultés à régler les palabres de rival, à avoir des enfants avec des servantes, vraiment un gros n'importe quoi, il est revenu et Bethel était toujours là. Alléluia. Dis avec moi en 2024. Je vais rester à Bethel. Dans la présence de Dieu. Dans une vie de prière. Dans une vie de consécration. Loin des mauvais conseillers. Loin des voies tortueuses. Parce qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Résolution 3. Dis avec moi résolution 3. Ma résolution 3. Je vais exprimer à Dieu. Oui, il faut dire. Je vais exprimer quoi à Dieu? Je vais exprimer à Dieu tout ce qui ne va pas. Vous savez, il y a trop de veillées à l'église. En 2024, je vais exprimer à Dieu tout ce qui ne va pas. Bien-aimé, on ne cherche pas des chrétiens postés. Des chrétiens parfaits à l'image, bizarre derrière. Ça ne va pas, faut dire ça ne va pas. Tu as quel compte à rendre à qui? Quand ça ne va pas, dis à Dieu, ça ne va pas. En 2 Rois 4, j'aime bien ce texte parce que je prêche souvent dessus. Il est dit, il y a une femme qui allait voir le prophète. Elle lui a dit, elle a dit à Élisée, tu sais, tu connais ton serviteur, mon mari le prophète. Tu sais comment il était bien. Ok, il était bien. Et puis, la suite c'est quoi?
Il est mort. Ok, c'est pas grave, tout le monde peut mourir. Mais il est mort comment? Il nous a laissé dans les dettes. Ah, le gars qui était bien là, dont il avait problème. Tu es bien pour qui? Pourquoi? En comment? Alléluia. Dis avec moi, en 2024, je vais être vrai. Je vais dire à Dieu ce qui ne va pas. Cette famille a vécu dans les difficultés, problèmes. Les gens ne mangeaient pas dans la maison. La femme là même, elle avait sueur pour préparer un bol de riz. Pourquoi? Ton leader est là. Le prophète est là. Si tu as problème là, tu ne peux pas parler. Je suis sûre que le gars là, le prophète n'a pas vu dans son jeu parce que quand il faisait les réunions, c'est lui, je suis sûre, c'est le premier qui devait prophétiser. Dès que le prophète est là, c'est lui qui va commencer à trembler. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, tu n'as pas mangé chez toi. Ça ne va pas. Il faut donner la véritable copie. Parce que Mohamed dit, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à faire les gemmes. Tous les matins, 5 heures du matin, on ne te voit pas aux gemmes. Quand on te demande là, tu dis non, moi-même là, j'étais en prière aussi. En temps, tu dormais. Il faut dire au G Alpha que moi-même là où je suis là, ça fait 6 mois, je ne peux plus me lever pour prier. On va prier pour toi. La solution n'est pas loin. C'est juste que tu ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas ce qui ne va pas. Alléluia. Quand la femme a osé ouvrir sa bouche pour parler, vous savez, ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas, mais Dieu veut que ça sorte de ta bouche. Il y a des gens, ils prennent ça comme championnat. Si l'homme de Dieu là, il est loin là, il n'a qu'à me dire, il n'a qu'à dire ce que je fais dans le noir, on ne va pas te dire. Et puis on s'en fout. Oui, on n'a pas l'onction, c'est pas grave. Mais toi, ton onction de péché là, tu vas voir où ça va t'emmener. Dieu n'a pas besoin de toi pour montrer que l'homme de Dieu est un prophète. Mais toi, tu as besoin de toi-même. Sois prophète sur ta vie. Prophétise que ça ne va pas. Prophétise que tu es dans les problèmes. Prophétise. Et quelqu'un va t'aider. Arrêtons la vie chrétienne de façade. En 2024, ça ne paye pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a choqué? Qui t'a fait mal? Qui a brûlé ton cœur? Il faut parler. Il faut parler. On ne va pas te juger. Mais ça va te sauver. Quand la femme a ouvert la bouche, qu'est-ce qui s'est passé? Délivrance, guérison, restauration. Dis avec moi, délivrance, restauration, guérison, en Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, ça passe par la vérité. Tu vois, quand ça ne va pas, il faut parler. Ça ne va pas dans le foyer, il ne faut pas avoir peur. Viens expliquer. On ne va pas sortir ton affaire, on va t'aider. C'est vrai, peut-être que le pasteur avait dit, le frère là, il faut faire attention. La soeur là, il faut faire attention, tu n'as pas écouté, c'est le passé. Tu n'as pas besoin d'être plus dur que le fer. Tu vas te tuer. Alléluia. Parle. Il y a une solution. Il y a une visitation. Il y a une restauration. Alléluia. Dis avec moi résolution 3. Je vais dire à Dieu tout ce qui ne va pas. Ce n'est pas championnat. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi et on va prier? On est à la 3e résolution.
Mais tout ça doit s'asseoir dans ton cœur. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Personne n'a dit qu'on était des super hommes. Personne n'a dit qu'on était des super femmes. Dieu a dit, cette fois le juste tombe. Oui, le Seigneur reconnaît que le juste peut tomber. Tu as chuté, c'est une possibilité. Mais entre dans la vérité. Parce que c'est en confessant, c'est en révélant la chose cachée que l'ennemi sera chassé. Peut-être que tu as des difficultés dans ton travail. Peut-être qu'on va te renvoyer. Viens, parle, parle à Dieu d'abord. Et si nécessaire, parle à ton berger. Ensemble, vous allez prier. Quelque chose va se passer. Et le débordement va prendre place. Parce que quand Dieu guérit, la suite, c'est la faveur. La suite, c'est la bénédiction. Alléluia. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Prie avec moi. Trois résolutions. Je vais aimer Dieu. Je vais rester à Bethel. Je vais parler de ce qui ne va pas. Et laisser la main de Dieu me toucher. Laisser le Seigneur me trouver pour me guérir. Car 2024, c'est mon année du débordement. C'est mon année de la grâce surabondante. Et je ne vais pas rester dans les compromissions. Je ne vais pas rester dans les ténèbres. Je ne vais pas rester dans les difficultés. Parce que j'ai raison de parler. Personne ne me jugera. Personne n'attend que je sois un super homme, une super femme. Oui, je suis fait de chair. Oui, je peux faillir. Oui, je peux faiblir. Mais la main salvatrice est là pour me sauver. Pourvu que j'ouvre la bouche et que je parle. Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui est en train de te détruire? Parce que tu n'as pas partagé. Parce que tu n'as pas communiqué. Parce que tu n'as pas montré là où se trouve la plaie. Ton Dieu veut te guérir. Ton Dieu veut te restaurer. Tu n'as pas besoin d'une vie chrétienne de façade. Tu n'as pas besoin de paraître le plus fort. Tu n'as pas besoin de paraître le plus spirituel. Quand ça ne va pas, quand ça ne va pas, Dieu est là pour toi. Ouvre-lui ton cœur. Parle-lui en vérité. Montre-lui qui tu es vraiment afin qu'il puisse te sauver. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. S'il y a une personne qui a besoin du Seigneur ici, élève la voix et crie à lui. Crie à ton Dieu. Il y a une situation qui te fatigue. Tu n'en peux plus. Tu sens que tu vas lâcher. Parle à ton Dieu. Ouvre la bouche et parle-lui. Parle-lui. Peut-être quelqu'un t'a dit, oh ça là, à cause de ça. Ce n'est pas une affaire de à cause de ça. Chacun a sa résistance. Chacun a sa force. Parle à ton Dieu. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. De toi seul, j'ai besoin de toi. Alléluia. Toujours dans Deux Rois, le chapitre 2, si vous allez lire ce texte, il est dit que les gens de Jéricho ont révélé à Élisée que les eaux de la ville avaient un problème. Il y avait un problème de stérilité dans la ville. Et il le savait, mais il ne l'avait jamais exprimé à Élie, qui était prophète, qui était leur père. Ils ne l'ont jamais exprimé. Ils n'ont jamais exprimé le véritable problème de cette ville dont on ne pouvait pas voir les fruits. Il y a peut-être des choses passées que tu dois partager. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à ce que Élie soit enlevé. Et enfin, quand Élisée est arrivé, quelques-uns ont eu le courage de lui révéler que la ville avait un problème, que les eaux de la ville avaient un problème. Et la solution n'était pas loin. Élisée a pris du sel dans un plat neuf et il a assaini
les eaux de la ville. Et la stérilité a été vaincue. Alléluia. Dis avec moi, il y a une solution. Alléluia. Et tout problème réglé en 2024 te conduira direct vers la manifestation de l'abondance. Alléluia. Dis avec moi, amen. On va s'asseoir et continuer. Dis avec moi, résolution 4. Résolution 4. Résolution 4. Résolution 4. Je vais marcher dans l'humilité. Je vais marcher dans l'humilité. Il est dit en Proverbe 15, le verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité. Alléluia. C'est une résolution qui est très importante. Parce que vous savez, le débordement est manifesté dans un environnement d'humilité. On peut dire beaucoup de choses sur le contraire de l'humilité qui est l'orgueil. Le problème, c'est que bien souvent, l'orgueilleux ne se reconnaît pas orgueilleux. Mais je veux que en 2024, ou plus exactement, le Seigneur veut que en 2024, tu fasses une alliance avec le principe de l'humilité. Peu importe ce qu'il a déjà fait, peu importe ce que tu as déjà réalisé, peu importe ce que les gens disent de toi ou pas, le plus important, c'est que tu saches qu'il y a encore du chemin à parcourir, qu'il y a encore des grâces à saisir, qu'il y a encore une bénédiction devant. Et rien que pour ça, tu dois marcher dans l'humilité. Si tu n'es pas déjà tellement riche que même le surplus de ton argent, on peut prendre ça pour faire le budget de la Côte d'Ivoire ou le budget de ton pays, c'est qu'il y a encore de la route. Alléluia. Tu n'as rien fait encore. Tu n'as rien vu encore. Vous savez, souvent, quand de temps en temps, l'orgueil veut que je lui donne un visa dans ma vie, j'ai un bon rendez-vous avec le Seigneur. Le Seigneur me prend de côté et puis il m'explique que bon, attends, tu veux t'enorgueillir là même, c'est pourquoi. Et Dieu me dit, cache, il dit, tu as quoi? Je dis, ah Seigneur, tout ce que tu m'as donné là. Et il me répond, tu n'as rien. Tu n'as rien. Vous savez, il y a tellement d'histoires de réussite sur la terre. Avant même d'aller loin, il faut te comparer à ton voisin. De temps en temps, quand tu penses que tu as tout, si tu regardes bien, tu vas voir que chez le voisin, là, il y a une cuillère que tu n'as pas. Rien que ça. Tu as toutes les cuillères de la terre? Non. Il y a quelque chose que tu n'as pas. Alléluia. Même si tu as 10 maisons, il y en a là, ils ont 100 maisons, 5000 maisons. Donc tu n'as rien. Tu n'as rien fait encore. Dieu peut faire infiniment plus. Dieu peut t'emmener encore plus loin. Et il a déjà fait dans la vie de d'autres personnes. Donc comme les Ivoiriens disent, pardon, épaule, descends. Dis à ton voisin, épaule, descends. Alléluia. Et Paul, descends. Tu n'as rien vu encore. Quelle gloire. Quel argent. Des gens ont déjà fait 10 fois plus, 1000 fois plus, millions de fois plus. Donc, allons doucement. Dis à ton voisin, allons seulement dans l'humilité. Et Dieu fera. Amen. Il ne s'agit pas de se comparer à ceux qui ont moins. Mais regarde toujours l'immeuble qui est le plus élevé. Et tu verras qu'il y a encore de la marge. Alléluia. Dieu veut faire. Il veut te donner plus. Il veut t'emmener plus loin. Mais pour ça, il a besoin que tes épaules descendent. Alléluia. Et c'est quand l'épaule descend,
que le débordement se manifeste. Parce que l'humilité précède toujours la gloire. Et l'orgueil précède toujours la chute. Et comme 2024 n'est pas l'année de la chute, descendons pour que Dieu nous fasse monter, pour que le Seigneur nous élève. Il y a encore de la gloire à toucher. Il y a encore des bénédictions à saisir. Il y a encore des révélations à toucher. Dieu veut t'emmener encore plus loin. Dis avec moi, épaule. Descends. Résolution 4. Prends le naming qui te plaît. Résolution 4. Épaule, descends. Résolution 4. Je vais marcher dans l'humilité. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et c'est sérieux. Nous avons besoin de plus d'humilité. Vous savez, des fois, on pense qu'on est trop arrivé. On pense qu'on a le meilleur ceci. On a la meilleure cela. Non, on n'a rien. Voyez. Et ça, c'est un exercice que le Seigneur fait constamment avec moi. Il me dit, regarde, va pas loin, tout près là. Tiens ça. Quand je dis non, il dit, bon, tais-toi, avançons. Alléluia. Résolution 5. Je vais être saint. Résolution 5. Je vais être saint. Je t'ai dit, c'est des résolutions spirituelles. Hein? Amen. En Ésaïe 59, ce verset que nous connaissons très bien nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. En Romains 12, 1, il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le mot que je veux que tu retiennes, les mots que je veux que tu retiennes dans ce texte de Romains, c'est saint et agréable. Parce que en Jean 8, le verset 29, Jésus nous dit clairement, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Comme quoi, je ne manque de rien. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il y a une personne dans la vie de qui Dieu va déverser les bénédictions et les faveurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne est agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Plus tu vis dans la sainteté, plus Dieu est présent. Plus le Seigneur va se manifester dans ta vie. Tu vois, c'est vrai, ce n'est pas une question de mérite, mais c'est une question de déontologie, quoi. Tu vois, non? Hein? Les oiseaux de même plumage marchent ensemble. C'est pour ça que dans Ésaïe 59, il dit, ce n'est pas qu'il ne peut pas te bénir, mais vous n'êtes pas du même acabit, comme on dit là. Dieu ne marche pas avec le péché. Il ne compose pas avec le péché. Même si de temps en temps, il va te lancer quelques bénédictions. Il va venir au secours d'une détresse quelconque. Mais ceux qui voient Dieu au quotidien, ce sont des personnes qui marchent dans la sainteté. Alors, si tu veux voir Dieu, si tu veux voir son débordement, pas le débordement d'une autre planète ou bien d'un autre phénomène, mais le véritable débordement qui vient de Dieu, cette bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, tu dois marcher dans la sainteté. Alléluia. Alors Dieu m'a dit, tu veux me voir davantage en 2024? Sanctifie encore. Sanctifie davantage tes paroles. Sanctifie davantage tes pensées. Sanctifie davantage tes fréquentations. Sanctifie davantage tes actions. Sanctifie davantage tes mobiles. Sanctifie davantage ton cœur. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Alléluia.
et la vérité, c'est que Dieu se déveste, Dieu se veste dans la vie de ceux qui marchent dans la sainteté. Amen. Toute personne qui vit dans le péché et qui voit des bénédictions qui paraissent abondantes, soit c'est un reste de bénédiction, soit c'est un leurre. Parce que Dieu agit dans la vie de ceux qui lui sont agréables. Et on le voit. On le voit. Alléluia. On le voit. Vous savez, quand une personne marche dans la sainteté, Dieu est prêt pour cette personne à tout point de vue. À tout point de vue. Dieu ne rentre pas en contestation avec une telle personne. En fait, l'abondance de ça dans sa vie ne dépend en réalité même que du timing de la personne elle-même. Parce que Dieu est prêt. Il est sur le starting block. Tu veux guérir qui? On guérit. Tu veux quoi? Il donne. Tu veux qui? Qu'est-ce que tu veux? Dieu attend seulement que la personne qui marche dans la sanctification s'exprime pour que ce soit déversé. Alléluia. Dieu, il est avec ceux qui marchent dans la sainteté. Alléluia. Vous savez, je racontais aux sœurs qu'un jour, mon mari m'a fait un truc. Bon, vous savez, nous les femmes, il y a les trucs qu'on nous fait. Hein? C'est nous seuls, on voit pécher dedans. Mon mari m'a fait un truc. J'étais fâchée. Et puis, moi aussi, je connais Dieu. Dieu, c'est mon papa aussi. Vous savez, ça m'a rappelé l'histoire où Aaron et Myriam sont allés voir Dieu. Co-Dieu. Faut dire co-Dieu. Ça va, c'est pas. Faut dire co-Dieu. Co-Dieu. Nous aussi, on peut parler. Nous aussi, on est prophète. Dieu dit, ah bon? Vous êtes prophète. Vous savez à quel degré? Moi, j'ai vécu ça. Et puis, c'est pas avec quelqu'un de loin. Voilà. C'est pas Jean. Je suis allée me plaindre de Pasteur Téna. J'ai dit, je suis allée voir Dieu pour me plaindre de mon mari. Et le Seigneur me dit, oui, tu parles de qui? Non, Dieu, il me plaît trop. Il me dit, oui, tu parles de qui? Parlons. J'ai dit, Seigneur, ton serviteur. Faut le gérer. Faut régler son cas. Et puis, je parle beaucoup. Tu vois, non? Je prends une voix comme si je pleure. Et puis, je pleure un peu, hein? En vrai. Vous savez? Il y a des gens qui pensent que moi, je pleure jamais dans mon foyer. Joe, on pleure. Mais des fois, on pleure pour futilité. C'est ça le problème. Donc, on est tous des hommes. Donc, moi, je pleure. Et puis, Dieu me dit, bon, OK, tu parles de qui? J'ai dit, ton serviteur. Il dit, lequel? J'ai dit, Seigneur, lui-là. Seigneur, Dieu, laisse ça. J'ai dit, aïe, comment on va laisser ça? Ce qu'il a fait, c'est trop grave. Il dit, lui-là. Tu veux que je rentre en contestation avec lui? Il dit, non, never, jamais. Donc, je dis ça pour quelqu'un. Il y a des gens de qui il faut te méfier. Oh. Dieu ne rentre pas en palabre avec eux. Donc, vous avez vu, non, je vous ai livré mon petit secret dans ma battle secrète. Le Seigneur me dit, oh, laisse ça. J'ai dit, Seigneur, donc tu n'as pas réglé. Il dit, non, je n'ai pas réglé. Si tu veux autre chose, je vais te donner, mais ça là, laisse. Le gars, c'est mon gars. Dieu me dit, celui-là, c'est mon gars. Quand je dis on ne fait pas, il ne fait pas. Quand je dis on fait, il fait. Toi, tu fais quoi pour moi? Je dis, ah! Oh! Je dis, Seigneur, cache comme ça. Le Seigneur me dit, oui, tu fais quoi pour moi? Où mon cœur ne va pas battre? Toi, tous les jours, tu fais battre mon cœur ici? Quand on dit on ne fait pas, on va te dire 10 fois d'abord. Tu as fait demi, un quart, jusqu'à ce qu'il reste un peu là qu'on peut te sauver. Et puis moi, j'ai qu'à rentrer en contestation à cause de toi, avec le gars avec qui qui est mon reflet. Il dit, laisse ça. Est-ce que Dieu peut parler de toi comme ça? Dis en 2024. On va se concentrer. On va marcher dans la sainteté. Nous aussi, Dieu va nous défendre. Alléluia. Dis en 2024. Je marche dans la sainteté. Et Dieu devient mon meilleur ami. Dieu marche avec des gens qui lui ressemblent.
plus tu vas marcher dans la sainteté, plus tu vas voir Dieu. Plus tu vas marcher dans la sainteté, plus aucune force, aucune autorité, aucune puissance ne pourra se dresser devant toi, même quand tu dors. Dis avec moi en résolution 5. Alléluia. Amen. Et il me reste deux résolutions, ça va être chaud, hein? On me dit, j'ai déjà dépassé de 10 minutes. Seigneur, aide-nous. Résolution 6. Je vais être fidèle. On vient de finir il y a 2 mois ou 3 mois avec la fidélité. Et vous le savez, la fidélité emmène le débordement. Il a dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer et ainsi de suite. Voyez, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donnera les grandes. Celui qui est fidèle dans les richesses injustes, on lui donnera les véritables. Celui qui est fidèle avec ce qui est à autrui, on lui donnera ce qui est à lui. En vrai, le pasteur l'a très bien expliqué, il n'y a pas de débordement sans fidélité. Alors tu veux voir le débordement de tes yeux. Je vous dis débordement là, ça existe. Si tu veux voir, sois fidèle. Fidèle dans les petites choses que Dieu te donne. Fidèle avec ce qui a autrui. Fidèle dans les richesses injustes. On a bien vu ça. Allons sortir nos enseignements, réécoutons-les et devenons fidèles. Si tu es fidèle, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es fidèle, tu verras le débordement. Si tu es fidèle. Résolution 6, en 2024. Dis avec moi, en 2024. En 2024. Plus que jamais. Plus que jamais. Je serai fidèle. Je serai fidèle. Dans tous les axes de la fidélité. Amen. Amen. Résolution 7. Dis avec moi, c'est bientôt l'atterrissage. Bientôt l'atterrissage. Je vais donner à Dieu. Acclame le Seigneur. Wow! Dis avec moi, quel voyage! Ça commence avec lui, ça finit avec lui. Amen. Alléluia! Amen. En 2024, plus que jamais, je vais donner à Dieu et à mon prochain. Parce que le Seigneur multiplie dans la main de celui qui s'est donné. Il dit en Luc 6, le verset 38, « Donnez et il vous sera donné. » Dis avec moi, « Donnez, donnez. Et il vous sera donné. » On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui? Débord. Et qui? Débord. Wow! Sans commentaire. Plus tu vas donner à Dieu, plus Dieu va te donner. Parce que la Bible dit que Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu ne prend pas crédit. Dieu ne prend pas crédit. Tu as donné, il va te donner. Tu as donné, il va te donner. Tu as donné, il va te donner. Il y a des gens qui disent, donne à Dieu, Dieu ne donne pas. Ils ne disent pas la vérité. Ce n'est pas vrai. Tous ceux qui donnent à Dieu savent que Dieu donne en retour et multiplié. Alléluia. Donc plus tu donneras au Seigneur, plus il va verser dans ta vie des bonnes mesures secouées, serrées et qui débordent. Alléluia. Parce que Dieu donne. En 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, il est dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime, dis avec moi, Dieu aime. Dieu aime. Celui qui donne avec joie. Et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces. De toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, etc. Parce que c'est lui qui donne. Alléluia. Amen. En 2024, je ne serai pas avare. Amen. Je vais donner à Dieu. Amen. Et je vais donner à mon prochain. Parce que quand on donne, Dieu donne.
Dorcas a donné. Elle a donné. Dieu lui a donné au-delà du matériel. Dieu lui a donné la vie. Dieu l'a ressuscitée. Pourquoi? On n'a pas dit qu'elle était la plus grande prieuse. On a dit qu'elle était une personne qui donnait. Elle donnait à Dieu, elle donnait à son prochain. Corneille, quel témoignage a été rendu de lui? Tout le monde a dit, Seigneur, cet homme, il donne pour ta maison. Alléluia. Tu veux voir le débordement? Résolution 7. Faut décoller ton bidou. Je sais que c'est la partie que tu n'aimes pas. Mais décolle ton bédou pour Dieu. Et Dieu va te donner au-delà de tes espérances. Au-delà de ton imagination. Au-delà. Au-delà. David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité manquer de pain. Ton Dieu est prêt pour toi. Alors, est-ce que tu es prêt pour lui? Oui, moi, j'ai pris cette résolution pour que 2024 soit certainement et absolument l'année de mon débordement. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? Je vois la faveur dans la vie de plusieurs. Je vois des personnes qui vont changer de situation. Je vois des personnes dont les comptes en banque vont exploser. Je vois des personnes qui n'auront plus de rendez-vous à l'hôpital parce que la santé totale sera leur partage. Je vois des personnes dans la vie de qui il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus de frustration, il n'y aura plus de combat parce que cette résolution sont en marche dans leur vie et c'est de toi que je parle. Élève la voix et commence à prier. Tu vas évoquer, tu vas reprendre ces 7 résolutions en priant. Tu dis, Seigneur, en 2024, plus que jamais, je serai une personne spéciale. Parce que 7 résolutions spirituelles, j'ai prises et je vais les suivre. Et je vais les honorer. Et je vais t'honorer en les honorant. Oui, en 2024, je vais t'aimer plus que tout. En 2024, je serai une personne qui est dans ta présence, qui reste à Bethel, là où tu es. En 2024, je ne vais pas fermer ma bouche. Chaque fois que j'aurai un défi, chaque fois que j'aurai une situation qui me dépasse, je vais trouver du secours. Parce que je saurai ouvrir la bouche. Je saurai parler à mon frère, à ma soeur. Je saurai parler à mon leader, je serai te parler à toi Dieu, me dépouillant, me révélant à toi tel que je suis vraiment. Oh Seigneur, 2024, j'en ai fini avec le mimétisme, j'en ai fini avec la fausseté, j'en ai fini avec les apparences, parce que en vrai, tu bénis celui qui est vrai, je suis nu devant toi, je suis tel que je suis, et c'est toi qui me relève, c'est toi qui me rétablis, c'est toi qui me fortifie, c'est toi qui me fais monter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, oui, en 2024, je vais marcher dans la sainteté. Je vais marcher dans la sainteté à l'image de mon Père Céleste. À l'image de mon Père Céleste. En 2024, plus que jamais, je serai une personne fidèle. Oh Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas toujours évident, papa. Mais en 2024, je vais être fidèle à mes engagements. Je vais être fidèle à ma parole donnée. Je veux être fidèle, papa, aide-moi. Ô Esprit de Dieu, je veux être fidèle. Fais de moi une personne fidèle. Fidèle dans les petites choses. Fidèle à ce qui appartient à autrui. Fidèle, papa, même dans les richesses injustes. Je veux être fidèle, ô Père, à mes amitiés. Je veux être fidèle à mes engagements. Je veux être fidèle à mon engagement vis-à-vis de toi, papa. Oui, je veux être une personne fidèle, Seigneur. Aide-moi, Esprit de Dieu. Aide-moi, Esprit de Dieu. Aide-moi, Esprit de Dieu. En 2024, je veux apprendre à donner. Au-delà de ce que j'ai toujours fait, je veux donner plus. Je veux donner plus. Afin que plus tu déverses dans ma vie. Afin que plus tu déverses dans ma vie, Seigneur. En 2024, je veux marcher dans l'humilité. À l'exemple de Christ, qui n'a pas vu comme une proie arrachée, d'être égal avec son Père. Oh, Papa. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Oh Père,
je n'ai encore rien vu de ce que tu es capable de faire dans la vie d'une personne. Oh papa, il y a tellement de marches, tellement de choses encore à conquérir, tellement d'escaliers à monter, papa. Je ne suis tellement rien devant ta face, Père. Je veux marcher dans l'humilité afin que ta gloire, ta bénédiction se manifeste pour moi. Oui, Père. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, élève la voix et fais de ce cantique une prière. Parce que toutes ces choses sont tellement plus simples à dire qu'à faire. Mais si Dieu est avec toi, tu vas y arriver. Nous allons y arriver. Cette résolution, Dieu pouvait dire à Moïse, grave ces points, grave les une table, puisses-tu graver sur la table de ton cœur, c'est cette résolution. Puisses-tu veiller, puisses-tu t'assurer chaque jour de les mettre en pratique. Et par la grâce de Dieu, tu y arriveras. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Parce que Dieu veut te bénir. Parce que Dieu s'apprête à te bénir. Et toutes les bénédictions seront ton partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai besoin de toi. Qu'une personne bénie peut acclamer le Seigneur. Alléluia.